Bonsoir à tous et à toutes, ce soir c'est vendredi, et c'est même vendredi 13 d'ailleurs, et on va jouer donc à Kingdom Come Deliverance, bonsoir à tous, j'espère que le son est bon pour vous sur le chat, Alors on va continuer nos quêtes de la dernière fois, mais ce soir, comme c'est vendredi 13, et que vous avez besoin de chance, et ben on va lancer un giveaway dans quelques minutes, on va attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde, mais restez, il y aurait un giveaway qui va démarrer pour une carte Steam d'une valeur de 10€. Je vais démarrer quand il y aura un peu plus de monde sur la chaîne. Et le tirage se fera en fin de... comment dire, fin de stream. Donc, ben, soyez là, parce que si vous n'êtes pas là et que votre nom est tiré au sort, et ben, on tirera quelqu'un d'autre au sort. Et ça serait bête de passer à côté. Alors, on va faire juste le point sur les quêtes. Oui, Dracons, il y a un giveaway. Salut Dracons. Alors, je vais juste saluer également nos nouveaux followers, Sangoon Bars et Gabby Games qui ont suivi, qui ont fait un follow offline. Merci à eux. Alors, la dernière fois, on est à 5 spectateurs. Bon, je vais peut-être lancer le giveaway maintenant. Alors, pour le giveaway, avant qu'on commence les quêtes, donc il y a une carte Steam à gagner. Vous avez juste à taper une commande qui est point d'exclamation M-A-W, ça, MOW, dans le chat. Tout va être indiqué. Salut Link, Et vous pouvez gagner une carte Steam d'une valeur de 10€, sachant qu'on aura également deux autres cartes à offrir durant ce mois-ci. Et deux jeux également. Et Volant 2 qu'on m'a offert aussi. Non, c'est pas encore en ligne, Dracon. T'inquiète pas, je vais lancer ça tout de suite d'ailleurs. Je vais minimiser mon jeu. Et je vais lancer le giveaway. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, tout le monde peut rejoindre et gagner. Vous avez juste à taper point d'exclamation. Alors j'ai juste vérifié que le jeu n'est pas passé en mode fenêtré. Parce qu'il faut savoir que ce jeu-là, vous voyez, il s'est mis en mode fenêtré sans bordure. Quand vous minimisez en fait, ce jeu-là, il va se mettre en mode fenêtré sans bordure et les performances seront beaucoup moins bonnes. Surtout si vous êtes un streamer comme moi. Donc là, maintenant, c'est là que vous devez taper vos commandes. Voilà. Dracons, maintenant, c'est là que tu dois la taper, la commande, pour que tu apparaisses dans la liste des participants. Alors, faisons le point sur les quêtes. On avait deux quêtes qui étaient intéressantes la dernière fois. D'abord, on avait une quête FedEx. On devait récupérer différents éléments. On avait récupéré du vin. On avait récupéré le cheval, le fameux Rouen, en lui chantant une chanson. Et il restait à récupérer la commande chez les graveurs de Sasso. Sasso, c'est une ville, pour info, qu'on n'a pas encore visitée, qui se trouve ici, là, encore dans le brouillard de guerre, là. Et... Ah non, mais Dracons, tu peux te... Comment dire? Une fois que ton inscription est faite, c'est bon. Il faut juste que tu sois présent à la fin du stream. Ah, c'est nul si t'es tout seul, d'accord. Mais c'est bien, t'as raison. T'as raison, mais il faut au moins lancer un petit peu le truc. Et qui jette la première pierre? Eh bien, en fait, on a eu un accident sur un chantier du monastère de Sasso à cause d'une pierre de piètre qualité, soi-disant. Et en fait, eh bien, évidemment, le maître de carrière de Thalberg craint que cette affaire ne porte atteinte à sa réputation. Et il va falloir qu'on aille enquêter, Tiens, j'ai mon message de Lasbuk qui ne fonctionne pas. Bon, je teste un petit peu quelques trucs hein, sur le bot. Le bot Wisebot me résiste un petit peu en ce moment. Alors, bon, écoutez, on va déjà vérifier nos stats, déjà. Est-ce qu'on est déjà en bonne condition pour pouvoir voyager? Oui, on est bien nourri. Il est midi, par contre. Est-ce qu'on aura le temps d'aller jusqu'à là-haut? On va voir. On est là. On va déjà essayer de voyager. Alors, attendez. Jusque déjà, on va retourner au moulin, déjà. On va déjà retourner jusqu'au moulin. On va vérifier qu'on n'a pas de choses volées sur soi. Et on va voyager vers Sasso. Et là, comme là, on n'a pas de voyage rapide parce qu'on n'a jamais exploré la carte, cette partie de la partie ouest de la carte. Alors, je vais regarder juste l'inventaire déjà. Alors, inventaire. Non, j'ai rien de volé. Je n'ai rien de volé. Et ça va, je suis pas trop chargé. Bon, mais écoutez, on va partir à l'aventure. On va mettre juste un waypoint sur la carte pour se repérer. Alors, on doit aller ici. On va déjà essayer de prendre un waypoint là et tourner à gauche. Donc on va déjà mettre un waypoint au sanctuaire là. Voilà. Un premier waypoint ici. Alors le pont est par là. Ah, attendez, non, il faut peut-être faire le tour. Salut Olnon, Ah bah Thérèse, elle a du mal à marcher quoi après la dernière fois.
Non, non, non. Donc on va déjà rejoindre le pont et le sanctuaire et après on va tourner à gauche. Là c'est droit devant. Ça va, le temps est un peu couvert aujourd'hui, il fait pas trop chaud. J'espère qu'on va pas tomber sur des bandits, on verra bien. J'ai pas joué depuis la dernière fois, hein, donc j'ai pas monté en mon perso, j'ai vraiment pas eu le temps. Alors, voilà le sanctuaire. On va tourner à gauche. Et à partir de là, c'est l'aventure. On va essayer de s'orienter par rapport à la direction, mais... De toute façon, on a les deux repères en haut de l'écran. Hein. A et B. En haut de l'écran. Ils nous indiquent où aller. Alors, ça dévie pas trop à droite, on va voir. Ouest-nord-ouest... On va continuer. Je prendrai une route sur la droite dès que je pourrai. Ça serait à droite, ça saute ? Non, ça serait vraiment si proche que ça. Alors, bah, ce qui est bien, c'est déjà qu'on... Alors là, il y a une forêt ici. On va voir s'il n'y a pas un chemin en descendant par là. Alors faut peut-être faire attention parce qu'à mon avis il y a des falaises et la chute de cheval. Ok Link, maman. Pour l'instant je vais déjà essayer de découvrir les environs. Puis après quand on sera peut-être au niveau des quêtes de Sasso, peut-être que je demanderai ton assistance. Y'a pas de problème Link, maman. T'auras juste à te placer si c'est pas déjà le cas en salle d'attente. Et puis alors Lechetko, ça c'est un autre endroit. Il y en aura une autre quête, je crois que la quête principale, une des quêtes principales se déroule là. Bon écoutez, je pense qu'il faut un peu continuer vers l'ouest. On va continuer vers l'ouest, on va longer ici. On va suivre cette route forestière là. Et on va voir. À moins que je passe par les Lechenko déjà pour débloquer. Ça peut être pas mal déjà de débloquer tout ce qu'il y a là-bas, voir ce qu'il y a dans ce village là. Et après de là, je devrais pouvoir prendre une route principale. Allez, c'est parti. Autant rejoindre l'utile à l'agréable. Quitte à faire du tourisme. Alors, une roue d'aiguisage, ça c'est utile. Ça a l'air calme ce petit patelin. Là, il y a un guet ici, on va essayer de traverser. Ça a l'air un peu branlant. Hein. J'ai l'impression d'être Don Quichotte à affronter des moulins. Des moulins à vent. D'ailleurs, ça serait intéressant, justement, tiens, qu'il y ait un mode avec le film de Terry Gilliam qui va sortir, un mode Don Quichotte pour ce jeu-là. Moi, je pense que ça serait vraiment parfait, quoi. Je mettrais juste l'Espagne, quelques moulins à vent, et puis rouler jeunesse, quoi. Quelques modèles supplémentaires, quelques dialogues, et voilà, tu le tiens ton mode. Alors, un tailleur, ici, il y a pas mal de nouvelles choses. La carte se complète, imprimeur... Un ogre, non! Ah non, pas les ogres, non, pitié. Alors, on a dépassé le Lechenko, donc on va regarder où c'est qu'on est. Alors, les Lechenko, on est là. Est-ce qu'il y aurait une route? Ouais, on va essayer de suivre cette route-là, à mon avis. J'ai l'impression que c'est un monastère qu'on voit là au-dessus. Vous voyez les grosses églises, là? Ça, ça serait le village d'à côté. Donc, on va essayer de suivre cette route-là. On vient bien voir où c'est que ça va nous mais... Ça serait une route principale, ça? Je me toujours demande si c'est des champs ou une route. C'est des espèces de larges... Ouais, dans King Hot. Do Flamingo, ma maman. Non, c'est pas une route. C'est bien un champ. On va suivre cette route-là. Ah bah, c'est charmant. Alors, voilà, on rentre dans la forêt. Non, non, non. J'aime pas ça. Il y a toujours des embuscades. Alors, le bois de Sasso. Et ça monte. Alors, attendez, on va voir où c'est que ça mène, ça. Par là.
Alors là, je vois une rivière, à mon avis. Il y a un chemin sur la gauche. On doit pouvoir traverser par là. Alors, attendez. Il est où le lien de cette rivière, là? Normalement, ça doit bifurquer. Campement des bûcherons. Ah, je suis allé trop loin. D'accord, on va peut-être retourner sur nos pas. Ça serait par là? C'est un chemin, ce truc? C'est pas vrai. Ah oui, c'est un chemin. Eh ben... C'est à peine un sentier. Donc là, en théorie, droit devant, on devrait avoir une rivière. Tiens, ça bifurque encore. Ah bah, c'est à droite. C'est à droite. Ça doit descendre par là. Ça serpente jusqu'en bas. Il y a un petit côté Oblivion dans ce jeu-là qui est pas désagréable, sans le côté fantasy aussi. Ah oui, mais ça bifurque beaucoup. Et voilà, le temps est pourri. Oh. Je vais encore faire rouiller ma belle armure rutilante là. Je pense que j'irai au bain public dès que j'arriverai à... Alors, ah, c'est un barrage ça. C'est pas un meunier ça des fois. J'ai l'impression que c'est un meunier. Oui, c'en est un. Intéressant. J'espère pouvoir vous aider, chevalier. Ah, il m'appelle chevalier. Est-ce qu'il y a du travail? Ça dépend. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, on a un petit problème. Je vous écoute. On a repêché un couement et on l'a fait prisonnier. J'ai ma petite idée de ce qu'on va en faire, mais il me faut un coup de main. Eh, mais radote, là. Alors, la place des commands se trouve sur les potences de Raté. Comment avez-vous fait? Je vais vous aider. Comment est-ce possible? Ce n'est pas tous les jours qu'un commis de meunier attrape un ennemi de la couronne. C'est sûr. Mes hommes seront ravis de vous raconter comment ils ont fait. Eh ben... Bon, alors, attendez. Là, on a deux choix possibles. On peut rappeler la loi du Seigneur, comme quoi... Eh ben, c'est au Seigneur de rendre la justice, hein, comme dans n'importe quel... Ou alors on peut proposer de l'aider. Ce qui est bien, si on l'aide, c'est qu'on aura peut-être quelque chose en retour. Mon instinct de dragonnet stupide me dit de dire la place des commands se trouve sur les potences de Raté, mais je me dis que j'aurais peut-être tout intérêt à l'aider, en fait. Je vais vous aider. J'ai des comptes à régler. C'est vrai, en plus. Je présume que vous êtes de Scalis. C'est ça. Bon, très bien. J'ai prévu d'interroger ce fumier et de lui faire avouer où il a dissimulé les... Ah, intéressant. Il y a un trésor peut-être à se faire. Alors, je vais lui soutirer les informations. Vous allez garder ces objets pour vous, n'est-ce pas? Bon, écoutez, on va essayer d'être collaboratif. Compris, je vais le faire parler. Vous parlez hongrois? Aïe. Non, du tout. Je parle pas hongrois. Mais vous pouvez quand même m'aider. Il y a un moulin un peu en aval. On raconte qu'il y a un vagabond là qui jure en hongrois lorsqu'il joue au dé. Vous pourriez aller sur place pour voir s'il sait dire autre chose que des insultes. Alors, est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'on a le temps de faire ça? Bon, allez, bien sûr, c'est dans mes cordes. Allez, on va faire... Merci. Une petite quête secondaire. Non. Ça a sauvegardé la partie. Alors, trouver un interprète. Ça me rappelle un film où ils avaient ils devaient trouver quelqu'un qui parlait, je sais pas, une langue bizarre. Et en fait, ils avaient 50 interprètes, mais chacun parlait une autre langue. Donc du coup, il fallait un interprète à chaque fois. Et ça prenait un temps fou pour dire un seul mot, quoi. Alors, voilà, une autre quête, c'est trouver l'interprète qui se trouve le long de la rivière. Bah écoutez, on va suivre la rivière. Alors, c'est par le nord, hein. Donc ça devrait être par là. Est-ce qu'on peut suivre la rivière de ce côté-là? Bah écoutez, je pense qu'on va suivre la rivière plutôt de l'autre côté. Il y a d'avoir un chemin ici. Allez, c'est parti. Non, mais là, je m'éloigne un petit peu de mon objectif du coup. Passer à travers bois. Donc, ce qu'il faut faire attention quand vous êtes à cheval,
C'est les branches basses parce que vous pouvez vous faire des arçonnés, quoi. Des petites branches comme ça, le jeu n'en tient pas compte, mais des grosses branches, vous pouvez tomber de cheval, quoi. Ah, j'ai vraiment un temps pourri. Ah, ça serait droit devant, là. Je pense qu'il va falloir lui graisser la patte, sûrement. Ouais. Alors... Ah, encore un meunier, décidément. Ah, tiens, tiens, tiens. Ça serait ça? C'est ça, le vagabond? Il paraît que vous parlez hongrois. Mais vous le parlez couramment? Eh bien, mon hongrois est fort passable, mais pourquoi cet intérêt? Alors... Je pourrais avoir du travail. Du travail? Moi qui espérais une invitation à venir boire un verre, ou un message de ma maîtresse. Allez, on peut faire pression, le rétribuer, je pense qu'on va déjà essayer la méthode douce. Désolé de vous décevoir, mais je peux vous offrir quelques gros chênes en échange. Nil boni sin elabore. Hein? Tout travail mérite salaire. En Bohème, il y a un proverbe qui dit « on ne fait pas de pain sans sueur ». Voilà, c'est ça. Les gens d'ici m'avaient promis un travail facile et je me retrouve à m'esquinter le dos. Alors, commencez par tout m'expliquer. J'ai besoin d'interroger un couman. Comme je vois que vous avez la langue bien déliée et que vous parlez hongrois, ça m'a l'air d'être dans vos cordes. Un couman ? Dieu du ciel. Bref, peu importe, les gens du moulin veulent que j'ai plié bagages avant la fin de la semaine. Combien vous me proposez ? Alors, combien demandez-vous déjà? On va essayer de marchander. Combien demandez-vous? Dites-moi plutôt combien vous proposez. Ah. Alors j'aime bien, le jeu me met automatiquement 40 gros chênes. Allez, on va baisser un petit peu. 38 gros chênes et on va voir ce que ça donne. Bien, ça me paraît raisonnable. Voilà. Il se trouve où, votre couman? Vous connaissez le moulin de Budin? Bien sûr. J'ai gagné moult fois au décompte qui travaille là-bas. On se retrouve... Attendez. Non, non. On va y aller ensemble. Je vais l'escorter. Allez prendre vos affaires. On y va. Eh ben voilà. Pour l'instant, ça se passe bien. Ah. Je touche du bois. Alors, je rappelle qu'il y a un giveaway en cours sur la chaîne ce soir pour gagner une carte Steam de 10€. Tapez point d'exclamation M-A-W M-M-O M-O pour participer, maman. Alors, procédez à l'interrogatoire de comment avec l'aide du vagabond. Bon, le jeu a sauvegardé. Alors. On peut commencer l'interrogatoire. Parfait, je commençais presque à m'ennuyer. Je me demande comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut le frapper, maman? C'est parti. Dites-lui qu'il a une occasion exceptionnelle pour sauver son feu de la potence. Il a pas l'air de comprendre. Dites-lui que je sais pertinemment qu'il a des objets de valeur enterrés quelque part. Qu'est-ce qu'il raconte? Il a l'air de résister. Bon, on peut lui offrir la liberté ou menacer de le frapper. Il a pas l'air commode, à mon avis. Je me demande ce qu'il faudrait faire. Je sais pas ce que vous en pensez sur le chat. On peut lui offrir la liberté, mais on peut menacer de le frapper. On va essayer la manière forte, déjà. Oui, que s'il continue à être borné, je vais vite perdre patience. Namon, polva. Elmondom neked, de aztán keci. Ouh, il a pas l'air commode. Il a l'air de dire pas mal d'informations là. Malheureusement, je pige rien en hongrois. És lent a víznél van egy kivált fatöly. És abban van? Igen. Il donne des informations là. Il a dit des informations.
Non, il a dit quelque chose là. Il a parlé d'Igen. Hâtez-le pas, le menacé de mort. What the fuck? Et ça veut dire quoi, hâtez-le pas? C'est accéléré? Attendez. Depuis que son temps est compté, je me demande si ce vagabond ne veut pas garder pour lui les trésors. Il a dit qu'il avait enterré l'argent quelque part dans la forêt, sans pouvoir décrire précisément. Si c'était un piège. Mais il affirme pouvoir vous amener sur place. Très bien, ça me va. Bon, ok, on a réussi cet objectif-là. Parlez au meunier, allez. Faut qu'il me donne une escorte, le meunier, pour pouvoir... C'est pas le meunier, ça, c'est l'ouvrier. Où c'est qui m'a placé? Je suis derrière. Alors oui, juste avant, quand on a parlé au vagabond, il y a une sauvegarde qui s'est automatiquement lancée, donc... Dans les 21h20, là, je vais regarder la dernière sauvegarde. Tu vois, 21h17. Tla di tole. Bon, bah voilà. Il est où, ce meunier? Alors, attends, j'ai l'indicateur de quête, là, ici, qui se balade. Oh, on voit rien du tout. Ah, il est là. Alors, on a interrogé le Couman. Nous avons interrogé le Couman. Vraiment? Dites-moi tout. Vous aviez raison. Il a dissimulé de l'argent quelque part. Vous voyez, c'est l'instinct légendaire du meunier. Le seul problème, c'est qu'il ne sait me décrire le chemin à emprunter. Il veut m'y amener lui-même. Et qu'est-ce que vous attendez? Partez avec lui, récupérez l'argent... C'est pas si simple, il vaudrait mieux avoir une escorte. Et qu'est-ce que je vais faire de lui ensuite, déjà? C'est une bonne question, ça. Que va-t-on faire du coup, mort, ensuite? Une fois l'argent en poche, libre à vous d'en disposer comme bon vous semble. Ouais, mais ça me répond pas à ma question. Qu'est-ce que j'aurai en échange? Je vous laisserai la moitié. C'est équitable. Ah, c'est pas mal si je m'en tire vivant. Dans ce cas, je vais y aller. Bien. Et songez pas à me jouer un mauvais tour. Si j'apprends que vous m'avez berné, je vous le ferai regretter. Ne vous inquiétez pas. Il vaut mieux pas se fâcher avec les meuniers parce que c'est notre source principale de pognon, on va dire, si on est un petit peu voleur comme moi. Allez, il y allait. On va déjà retourner voir. Qu'est-ce qu'il m'a mis comme objectif, lui? Alors. Je retourne derrière. Oh, mais il m'a mis sur n'importe quel chemin, lui. Voilà, peut-être qu'il faut aller reparler au Couman ou reparler à notre ami le vagabond. Portez-vous bien. J'ai alors, quelque chose à vous demander au sujet de l'interrogatoire. Dites-moi, mon père. Me demande s'il m'a tout dit, lui. J'ai l'impression qu'il en a dit bien plus que vous. Voilà. Vous m'avez tout raconté. Eh bien, figurez-vous que les Hongrois parlent différemment. C'est ça. Il y a certaines choses qui sont difficilement traduisibles. Pour nous, les interprètes, c'est un vrai casse-tête. Donc, vous n'avez pas tout traduit? Mot à mot, mais je vois pas pourquoi vous en faites tout un plat. C'est simple, il va vous emmener sur place et l'argent sera vôtre. Oui. Tu sais, il a peut-être dit au vagabond, comment dire, il a peut-être dit au vagabond l'endroit où se trouvait le butin. Donc moi je vais aller à un autre endroit avec le Kuman, le vagabond ira. Donc en fait il aurait mentionné Raté. Intéressant. Je suis quasiment certain qu'il a mentionné Raté à un moment. Vous avez du mal à entendre. Je n'en ai pas souvenir. Il parle un drôle de dialecte. Voilà le problème. Écoutez, je commence à me lasser. Ah, réussi. J'amène le Couman à Raté et on verra ce qu'il dira une fois la corde au cou. Là, ils auront un interprète qui connaît son métier. Ouais, et après, je reviendrai me venger. Que vous m'avez trahi. Bon, calmez-vous. Je ne vous ai pas tout révélé. Ah ah. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vous écoute. Il m'a décrit un endroit où l'argent est censé être dissimulé, en me faisant promettre que j'allais vous convaincre de le laisser vous conduire. Alors. Dans ce cas, où est l'argent?
sur l'autre berge de... Salut Crazy Bomb, maman. Il y a un giveaway ce soir d'une valeur de 10€. Donc tapez point d'exclamation MAW Mau pour participer, maman. De là, un petit sentier mène vers l'eau. Une fois au bord, sur la droite, toujours selon lui, il y a une... Un arbre calciné, un sentier qui mène vers l'eau. Une fois au bord, sur la droite, toujours selon lui, une souche d'arbre. D'accord. Et il lui, c'est qu'il voulait m'emmener. Un piège, j'imagine. Je n'en ai pas la moindre idée, mais je dirais que ça sent les ennuis. C'est bon. Alors attends, Crazy Bob. En tout cas pour Dracon, c'est bon. Ah non, Crazy Bob, c'est bon. C'est bon, tu es inscrit. Alors. Dans ce cas, où est l'argent ? Attendez, on va, je vais lui faire répéter quand même. L'autre berge de la rivière. L'autre berge de la rivière de Raté, une colline. Quand vous regardez la ville depuis cette colline, il y a une route. Passe juste à côté. Sur cette même route, il y a un carrefour avec un arbre calciné. De là, un... Salut Bluffenrir, maman. Une fois au bord, sur la droite, toujours selon lui. Allez Bluffenrir, si tu comptes rester jusqu'à la fin du stream, pas comme la dernière fois, non. Participe au giveaway en tapant point d'exclamation. Il y a une carte de 10€ à gagner. Ok, bon, c'est bon. On a des informations. C'est pas très compliqué. Maintenant, oust. Faites comme si je n'étais déjà plus là. Et bien sûr, sans recul. Ouais, c'est ça. Bon, t'as de la chance d'avoir encore la tête sur tes... Priez pour que ce soit bien là, ou je reviendrai vous passer le piquet. Rassurez-vous. Vous ne me croyez pas assez bête pour vous mentir une seconde fois. Espérons que non. Mais je m'en doutais, si tu confies à quelqu'un comme un vagabond la traduction d'un trésor incroyable, ben voilà, c'était foutu, quoi. Bon, alors attendez, on va regarder les quêtes déjà. Est-ce que je dois reparler au Koumon ou pas? Trouver la cachette du Koumon? Non, on n'a pas besoin. À ce stade-là, on a juste besoin d'aller chercher le pognon. Alors attendez. Rivière, colline, route qui fait face à la ville. Alors déjà, la colline, moi je dirais face à Raté de l'autre côté de la berge, c'est cette berge-là, la berge nord en fait. Donc la colline se trouve ici. Donc on doit voir une route, soit là, soit là, soit là, soit là. Si je tape le gradonnet, il fait aussi mot. Non, là, je grogne. Et t'as intérêt à courir vite, maman. Bon. Donc, ça doit être une de ces routes-là. On doit avoir un arbre calciné. Et après, bah, faut suivre la... Il faut suivre la... D'accord. Bon, écoutez, on va essayer de trouver l'arbre calciné, la berge, l'eau, etc. Mais si c'est... s'il y a de l'eau, à mon avis, ça se trouvera plutôt dans cette zone ici. Voyez, alors attendez, est-ce qu'on a un indice sur la carte justement? On a une route, on a de l'eau. Bon, là on a le moulin, vous voyez ici. Une colline, une route. Ça serait ici en fait, dans cette zone-là. Ou cette zone-là. Mais en se dirigeant vers l'eau, donc ça serait peut-être par là. Il y a bien l'autre qui regarde mon cheval d'un air bizarre. Bon, on ira à Sasso plus tard. On va déjà essayer de faire cette quête-là, parce que s'il s'agit de se faire du pognon, il n'y a pas de problème. Alors, on va essayer de prendre déjà en voyage rapide. T'es gentil, j'aimerais bien voir le voyage rapide s'afficher. On va afficher la carte directement, c'est encore plus simple. Non, c'est pas là. Terrain de tir, justement. Tiens, ben voilà, on va aller jusqu'à Letchenko, puisque cette colline se trouve là. Letchenko, non, c'est pas ça, c'est là, en fait. C'est Raté. On va retourner au moulin de Raté. Hein. Ça tombe bien, la nuit va tomber. On n'aurait pas eu le temps d'aller à Sasso, de toute façon. C'est bon, Bluffenrir, Dracon, c'est Crazy Bob. Vous êtes inscrit. Alors, n'oubliez pas, vous devez rester jusqu'au bout du stream. En tout cas, au moment où je vais désigner le gagnant. Sinon, il y aura reroll. Alors... Est-ce que je vais avoir le temps d'ici la fin de la journée de trouver la cachette du Kuma? Calibre 12 dans les mains. C'est de la triche les armes à feu, maman. M'en fous, j'ai un flashball. Voilà. J'adore jouer avec la baballe avec les enfants, maman. Une baballe à 320 km/h. Alors, on va refranchir. En plus, c'est la version tactique hein, du flashball.
Et je sais m'en servir. Attrape la babale. Alors, on va passer de l'autre côté. On va se rendre sur la colline qui surplombe la ville. Blablabla. Alors, une colline qui surplombe la ville, de l'eau, hein, une route. Alors. Et un arbre calciné près de l'eau. C'est peut-être l'argent des abonnés, on ne sait pas. Alors, colline, une route. Un tronc calciné, j'en vois pas ici, de toute façon. On va essayer de voir si le long de le... C'est pas un tronc calciné, ça. Ça serait sur la droite. Je vais m'amuser quand même à trouver ce trésor-là. Ça va être du sport, quoi. Parce que c'est pas comme dans les jeux où tu as des indicateurs qui te disent où c'est qu'il faut chercher, hein. Ah bah non. Le problème, c'est qu'ils m'ont l'air tous calcinés, ces troncs-là. Mais un tronc calciné, ça veut dire que l'arbre a complètement cramé, quoi. On va déjà chercher ici. Oh, c'est joli. C'est ça que j'aime bien dans l'univers de Kingdom Come Deliverance, c'est que c'est pas un univers qui est statique comme celui de Far Cry 5 où les arbres ne bougent pas, là ils bougent avec le vent. L'univers est loin d'être statique, c'est plein de vie quoi. Alors, tiens, un tronc calciné, c'est un tronc effondré, pas calciné. Il a dit qu'il fallait regarder la ville et regarder sur la droite. Je pense que je vais peut-être demander de l'aide à Link. Attendez, je vais essayer quand même d'avancer. Sinon, je vais essayer de remonter. Enfin, si c'est un gros trésor, à mon avis, il doit être enterré. Alors, on va regarder si on n'a pas un indice sur la carte. Parce que pour l'instant, là, je vois plus de tronc, là. Et la ville n'est plus vraiment, vraiment face à moi, là. On va regarder la carte. Généralement, quand tu regardes une carte et qu'il y a un trésor, il y a un tout petit indice dessus qui est affiché. Mais là, je vois pas grand-chose. Alors, on a une route ici, on a une colline qui surplombe. Alors, peut-être que dans l'arbre calciné, il serait peut-être ici, hein, de toute façon. Mais ils disent près de l'eau. Alors, si c'est de l'autre côté de la rive, c'est forcément de ce côté-là. Sinon, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme colline? Ça, c'est pas vraiment une colline, là. Encore que... Et le problème, vous voyez, en plus avec ce jeu-là... Alors, j'ai regardé le journal de quête. Alors, attends, X, journal des quêtes. On va l'afficher. Ah, bah voilà. Évidemment. Alors... En échange de quoi, ils pouvaient m'amener sur une fausse piste sans tout un piège. Ils ne sont pas venus à m'amener en bateau. Bah oui, mais le problème, c'est que le journal de quête ne rappelle pas ce qui a été dit, quoi. C'est ça que j'allais te dire, Link, et c'est ça que j'allais dire sur le chat, par rapport sur Twitch, c'est que voilà, il révèle l'emplacement, mais il te répète pas ce qu'il a dit. Moi, ce qu'on m'a dit, ce que je me souviens, j'ai essayé quand même d'écouter un petit peu, c'est il faut se trouver sur une colline qui est face à la ville de Raté. Alors, des collines qui sont face à la ville, il n'y en a pas des masses. De l'autre côté de la rivière. Donc, de l'autre côté, en théorie, c'est dans cette zone-là. Il faut se mettre face à une colline qui surplombe. Et là, alors peut-être que ça serait ici. Hein, ou peut-être que c'est là. Aussi. Et aussi, on a une colline qui surplombe la rivière. Et on a peut-être très bien ici un arbre calciné. Et une route. On va essayer de faire ça. On va retourner déjà au moulin. On va faire un voyage rapide. On va annuler le voyage en cours. Je sais pas si on peut l'annuler d'ailleurs, on va essayer, tiens. On va voir si on peut faire échappe. Eh non, tu peux pas. Bon, tu peux pas annuler un voyage rapide en cours, d'accord. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ce qu'on va faire, c'est qu'il est assez tard. Je vais pas m'amuser à chercher à la tombée de la nuit des affaires. Je vais me coucher... Il permettra de maximiser ma vie. Et je vais peut-être finir un des bouquins. J'avais un bouquin à terminer d'ailleurs, justement. Alors, mon inventaire est là.
Alors, attends, tranchant comme lui-là, mais est-ce que je l'avais déjà lu, celui-là? J'avais déjà lu celui-là, tranchant comme une lame. Le rêve de l'alchimiste, est-ce que je l'avais terminé? Non, je l'avais pas terminé. Pourtant, progression 100%. Vous mettrez moins longtemps à finir ce livre. Bah voilà, il me restait moins d'une heure pour compléter le livre sur l'alchimie. On va l'étudier un peu plus d'une heure. Enfin, moins d'une heure, maman. Dragon est studieux, maman. Allez, voilà. Et là, on va pouvoir dormir. On va essayer de se lever tôt. On va essayer de mettre le truc à 5 heures. Alors, je mets 6 heures pour que ça se charge plus vite, en fait, parce que la dernière heure met du temps à se charger. Allez, c'est parti. Ça va permettre de remonter ma santé à 100. L'énergie aussi. Et d'avoir toute la journée pour chercher ce fichu trésor. Oh, le soleil se lève. Voilà, on va annuler ici. En fait, la dernière heure est plus rapide et plus lente pour que le jeu ait le temps de se charger, en fait, tout simplement. Voilà, le soleil est déjà levé. Non. Ouais, on va... manger. Oh, le bruit dégueulasse quand tu manges. Et puis je vais peut-être... alors je vais en profiter, je vais minimiser le jeu 3 secondes. Je vais déplacer Link. Si Link c'était toujours là, je vais te déplacer sur le canal de chat. Et tu vas pouvoir m'assister dans cette quête. Voilà Link, maman, je t'ai déplacé, tu es à l'antenne. Alors j'ai vérifié que le jeu n'a pas basculé comme d'habitude en mode voilà, il s'est mis en mode fenêtré sans bordure. Donc faites attention si vous êtes streamer ou si vous voulez avoir des bonnes performances sur ce jeu là, assurez-vous qu'il est en mode plein écran. Dès que vous minimisez, en fait il se met en mode fenêtré automatiquement. Là ça va, l'image va sauter et là on a une meilleure performance. Grâce à ça, maman. Et on a toute la journée pour aller chercher le trésor. Oh, 100, je vois 199 followers, ça a progressif. C'est vrai qu'on a eu 2 de plus durant la journée, donc du coup on est tout proche de l'objectif des 200 followers, maman. Ah bah c'est parfait. Ah c'est bon. Salut Link, maman, tu as l'antenne, on t'entend de loin. De loin. Ah c'est bon, voilà. Est-ce que tu avais fait cette quête-là déjà sur ce trésor du Kouman? Oui, sauf que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pogné le Kouman puis je l'ai amené à Raté pour qu'il aille sa potence. Parce que moi, je suis un chevalier au service de Radzig, donc moi, je fais ce qu'il me dit. Oh là là. Ouais, mais il y a une bonne nouvelle, j'ai un aussi bon sens de l'orientation. D'accord, bon. La mauvaise nouvelle, c'est que quand le gars t'a donné les indications, il y avait un dragonnet qui cachait le texte. Ah, donc j'ai pas pu lire. Bon, alors, déjà, on a une colline qui surplombe la ville, on a une route et on a un arbre calciné. Attendez, ça c'est pas un arbre calciné, ça c'est juste un arbre. Il faut vraiment qu'il soit calciné, l'arbre. Bon, écoutez, moi, à mon avis, je pense que le problème, il est au bord de l'eau, parce qu'on a dit d'aller vers l'eau. Donc, à mon avis, c'est une route qui longe l'eau, qui est proche de cette colline-là, qui surplombe la ville. On va essayer de redescendre vers... Alors, déjà, essayons de repérer un tronc calciné, quelque part. On a un immense saule, là. À moins que ce soit... Non, je dirais plutôt que c'est un... Là, j'essaie de chercher une solution. J'aimerais juste pas avoir la localisation exacte, mais juste avoir le oui, voilà, pas de spoiler directement le truc, quoi. Ouais, sauf que c'est pas facile. Ah bah, c'est toujours comme ça, c'est tout ou rien. Alors, ça, c'est pas calciné, c'est juste un arbre sacrément sombre. Un nid. Ah! C'est quoi ça?
C'est calciné ou c'est... C'est pas vraiment calciné. Hein. Pour moi, un arbre cramé, c'est vraiment un arbre qui est tout noirci. Plus de branches dessus, il n'y a plus rien. À moins que ce soit sur l'autre rive, mais... Bon, la ville de Raté est là-haut, hein, on la voit. Ah. Ah, mais je savais pas que j'avais des gens... Enfin, je le fais au cas où, mais c'est vrai que quelquefois je tiens un bloc sur Naufrag. Oui, c'est vrai. Il va falloir que je mette à jour plus souvent aussi, parce que c'est vrai que ça ramène un peu de monde sur la chaîne, mon maman. C'est bien que tu me le dises, Crazy Bob. C'est vrai que je pourrais rajouter ça dans la liste des questions du sondage de la chaîne. Ça peut être intéressant. Bon, pour l'instant, je suis complètement paumé. Écoutez, ce qu'on va faire... On a la journée devant nous. On a... Oui. Ah bah ça, c'est clair, j'étais même... comment on appelle? J'étais même Godlike à l'époque, en 2001. Donc, ça fait 17... Depuis l'ouverture de la... Comment dire? De Naufrag, je suis un des... Un des anciens de Naufrag. Maman. J'aime bien tout tuer, tout frapper, donc évidemment, c'est normal. Bon, écoutez, on va aller à Sasso. On va faire les quêtes qu'on avait prévu de faire. Et puis, après, on verra. Si je repasse dans le coin, justement, du Couman, j'irai, ou du Vagabond, j'irai de nouveau l'interroger pour réécouter son énigme. Après, peut-être qu'on peut regarder... Non, c'était pas moi l'ours, non. Absolument pas, justement. J'étais complètement désolé de voir ces horreurs, là. Ah, Pibi, l'ours Pibi, ouais, qui explique les FPS aux enfants. Ça s'est mal terminé quand même dans le dernier épisode. Hein. La troisième mi-temps, c'était sacrément violent. Hein. Les pauvres. Quand même, ça m'énerve cette histoire de tronc calciné. Là, c'est une belle colline en tout cas. Là, il y a une belle colline avec une route. Ça surplombe la ville. Allez, on va essayer de galoper jusqu'à... Si j'avais pas un voyage rapide, des fois... Non, alors, si j'ai un voyage rapide jusqu'à Ledchenko, on va aller par là. Et de là, on va aller jusqu'à Sasso. Et on va essayer de découvrir Sasso, justement, et les quêtes qu'on a là-bas, parce que, bon, voilà, quoi. Par contre, je me rends compte que je casse un peu le texte, parce que j'avais mis mon overlay d'une telle manière... Pour, comment dire, c'était pour End of Fate 2 hier, et j'ai pas eu le temps de le remettre correctement. J'ai peut-être me déplacer 3 secondes. Donc attendez une seconde, je vais faire ça tout de suite. Je vais minimiser le jeu. Et je vais juste me déplacer. Juste m'escamoter. Hein, ça ferait pas, c'est normal. Voilà, un petit peu plus vers la gauche. Voilà, hein. Je disparais. Non, je suis là. Voilà, c'est mieux. Alors comme ça gênera moins l'affichage des textes aussi. Lors des dialogues. Alors, on est à Ledchenko. Ah bah, j'ai gagné un niveau en équitation, dites donc. Salut la gueuse. Ah, j'avais appris quelque chose à propos dans le système de combat. Oui. En bas, les barres. Donc, t'as la barre rouge qui représente ta barre de vie, la barre jaune qui représente ta. L'endurance, ta stamina. Puis la violette, c'est l'ennemi. Ouais, exactement. La barre violette, c'est la vie de l'ennemi. Voilà. Et t'avais appris quelque chose, non? C'était principalement ça que j'avais appris parce qu'il l'expliquait pas dans le jeu. Ah, d'accord. Oh si, tu l'expliques, mais t'as un écran qui contient plein d'informations d'un seul coup, et tu dois te taper ça en 3 secondes, et ça passe super vite. Donc à moins de recommencer complètement le jeu, bah tu passes forcément à côté de l'information, enfin forcément, voilà, au coin de Dragonnet, Bleu Fenrir, et non... J'en dis Dragonnet... Dragonnet va dans le coin quand il en a envie. Et oui. C'est lui qui a inventé les coins d'ailleurs. Il a même une tête de coin. Non, c'est nul.
J'ai pas mis le soundboard ce soir parce que ça ferait pas très RP avec, avec l'univers. Allez, on retourne chez le meunier. Ça pourrait être intéressant, tiens, si le vagabond est encore dans le coin. Salut Gigard, maman. On a un giveaway ce soir, hein, d'une valeur de 10€, une carte Steam, donc n'hésite pas à participer. Tape point d'exclamation, MAW. M-A-W pour participer. Alors attendez, est-ce que c'est par là J'ai quand même un gros doute. On va regarder sur la carte. Ah si, ça longe ici. À mon avis, on doit pouvoir passer par là. Ou alors je longe le long de la rivière. Ah, c'est pareil. On doit pouvoir passer par ici ou par là. C'est pareil. C'est exactement pareil. Donc si je fais le tour, c'est la même chose. Il y a peu de chance, je tomberai pas sur des coumons. Curieux de voir quand même ce fameux monastère de Sasso. Et curieux de voir aussi, de savoir également ce que c'est cette couronne de pierre commandée au tailleur de pierre. Justement, je dois aller à ces endroits-là, donc ça tombe bien. Autant regrouper les quêtes. Alors c'est pas le vent, hein, c'est juste Link qui souffle dans le micro. Alors, on arrive ici, on a un sanctuaire, d'accord. Est-ce que j'ai un accès? Alors on va voir si la carte c'est un peu plus découverte. Oui, génial. Alors, est-ce que j'ai un accès facile par là? Non. Il va falloir, à mon avis, qu'on continue, il doit y avoir un pont. Il y a un pont, mais qui a l'air un peu cassé ici au nord. On va descendre vers le sud. On va essayer de passer. À mon avis, il doit y avoir un. Voilà, vous avez découvert Sasso. Hey, mais c'est très joli. Ouais, Sasso, c'est une très grande ville. Ouais. Ah, moi, j'aimerais bien qu'ils fassent une extension dans le jeu avec Prague. Ça serait tellement épique d'avoir une aventure dans Prague. Ah, voilà le pont principal. C'est quoi ça? C'est. L'auberge là, nous. Allons-y. Oh. Alors, je vois une église là. C'est plutôt un monastère, vu la taille, c'est assez énorme. Mais ils sont en vivant! C'est pas possible! On s'était plus vu depuis l'attaque. Ah ouais, les deux bonhommes. Incroyable. Mais je les croyais morts, quoi. Je suis tellement heureux de te voir. C'est incroyable. Dieu, Fritz, vous êtes vivant. Évidemment qu'on est vivant. Personne ne peut se défaire de nous aussi facilement. Je sais pas pourquoi. Mais je suis si heureux de savoir que vous vous en êtes tiré. On se porte bien, mais on a quand même failli y rester. Ouais, ça a été dur. Fritz s'est enfui comme il n'avait pas tellement le choix, avec le nombre d'hommes qu'il y avait. Sornette, t'es un vrai guignol. Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Eh ben... Moi aussi, j'ai eu droit à un passage à tabac dans les règles de l'art. Quand je suis revenu à moi, j'étais déjà à raté. Et je vois que tu t'en sors plutôt bien. Tu fais quoi de beau? Alors, je suis l'écuyer du seigneur Radzig. Je suis devenu l'écuyer du seigneur Radzig. Je vois, tu as monté les échelons. Et vous, comment vous en sortez-vous? C'est la merde. Tu l'as dit, on est encore entaillé de partout. On doit un paquet de sous au monastère. Et ici, il n'y a pas de travail. Eh ben, c'est bien la veine. Pour quelqu'un avec un semblant d'intelligence. Alors, vous avez toujours été fainéant, mais la charpenterie recrute où personne dans tout Sasso n'a pas besoin de deux charpentiers. On va essayer d'être gentil avec eux. Personne à Sasso n'est à la recherche de deux charpentiers? Pas un chat. Oh. Et nous avons cherché partout. Eh, mais toi, t'aurais pas des connaissances? Vu l'état de la situation, ça serait pas de tout refus. Alors, je vais voir ce que je peux faire, je vais vous trouver quelque chose, je n'ai pas le temps. Bah, je vais voir ce que je peux faire. Je peux toujours demander, mais je ne vous promets rien. Merci, Henri. On te revaudra ça, tu peux en être sûr. Ça, ça pourrait être utile d'avoir des amis comme ça. Alors, qui d'autre avait survécu? Qui d'autre parmi nos proches s'en est sorti? Jeanne est au monastère.
Cette fille nous a rendu de grands services. Jeanne s'en est tirée. Pendant notre fuite, on a porté ce. Ah bah voilà, voilà comment Thérèse s'en est sortie. Ils lui ont porté secours en fait. Eh ben. Thérèse, je lui dois ma vie. C'est elle qui m'a emmené au moulin de Ratay. Il m'a aidé à me remettre en selle. Ah, ça me fait plaisir. Dans la partie, c'est moi qui l'ai sauvé. Puisque vous êtes si. Salaud, c'est de la triche. C'est pas la vérité, t'as menti là. Oui. Tu vas t'attaquer par les deux Kuma, je les ai pas attaqués, j'ai juste sifflé, ils sont tournés, puis j'ai volé le cheval devant eux. Puis je suis parti avec. Après ce qu'Alice, personne ne va plus reconstruire pendant un moment. Puis Thérèse, elle en a profité pour se sauver. Le mieux, ce serait dans un moulin. Eh, dans un moulin, mais je connais plein de gens qui travaillent dans les moulins, plein de meuniers. D'accord, bon. Du travail à Mathieu et Fritz, d'accord. Alors, déjà, on va regarder au niveau des quêtes. Donc là, c'est ça. On peut aider Mathieu et Fritz, mais déjà, mais j'aimerais bien déjà voir à votre service. Déjà, récupérer la couronne chez les graveurs de Sasso, déjà. Et puis après, aller voir au monastère et s'informer de l'incident. Inventaire. Non, déjà, regardez la situation sur la carte. Bon, on va aller à l'objectif B déjà. J'ai l'impression quand même que ça va être pas si facile que ça pour récupérer la couronne. On va voir, peut-être que ça pourrait être simple. Pour une fois. Là, c'est très joli ici. Je pense que j'irai foutre le feu à leur jardin. Alors, ça serait ça les graveurs, voyons voir. J'ai l'impression que c'est ça en fait, c'est ce bâtiment là. Il y a une porte en tout cas, mais je vois pas. Oh, il y a oui, mon signe est derrière. Je vois pas d'enseigne ni quoi que ce soit. Non, cherche pas l'enseigne, il n'y en a pas. Eh ben. Ah. Un bruit de tailleur de pierre que j'entends, non? Ah oui, attendez, il y a quelque chose là. Ah, il serait à l'étage? Ah, il faut vraiment aller chercher le travail hein, là-dedans. Hein. Ouais, ça c'est un. C'est aussi qu'il y a un jeu, il t'indique les endroits sur la boussole. Par contre, ce qui t'indique pas, c'est si c'est. Au-dessus ou en dessous. Ouais. Bon, bah pour l'instant, il joue à rien du ouais, tout. Là, par contre, tu t'es trompé de côté. Ouais. Bien, ma veine, c'était de l'autre côté. Bon, bah voilà, on va prendre l'escalier, tout simplement. Ah. Non, on va pas faire de vol à la tire, je vais simplement. Voilà, Maître Jérôme. J'espère pouvoir vous dispenser mes humbles services. Alors. C'est la dame de Thalmberg qui m'envoie. Elle veut savoir pourquoi la livraison de la couronne est reportée. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas de notre faute. Nous avons commandé une grosse pierre à mettre sur la couronne. Une merveilleuse moldavite de Bohême du Sud qui avait été taillée à Prague. Mais, en résumé, le brave marchand Martin Wiesek, qui était censé la porter de Prague, s'est perdu en chemin. C'est comme si le sol l'avait englouti. Ça y est, ça recommence. Dame Tiffen va être fâchée. Je peux vous proposer une autre pierre en remplacement. Mais n'importe qui verra qu'elle ne sied pas à un mariage noble, même vous. Et elle n'est pas non plus digne de notre savoir-faire. Si seulement quelqu'un pouvait aller chercher la Moldavie. Ah yes, c'est pour ma pomme. Vous pouvez me demander directement au lieu de tourner autour du pot. Où a-t-on vu votre larron pour la dernière fois? Ce larron, comme vous l'appelez, le très honorable marchand Martin Wiesek, a été aperçu qu'il longeait la Sasso et traversait le gué à cheval. Il se dirigeait vers l'ouest. Bien entendu, il n'est jamais arrivé à Sasso. Je vais le chercher, mais il est peut-être de l'autre côté des montagnes à l'heure qu'il est. Ou 6 pieds sous terre. Exactement ce que j'allais dire. Retrouver la Moldavite égarée. Génial. Allez, encore une quête. Alors, voyons la situation un petit peu. Moldavite, ça serait par ici? Ah, voilà une zone de recherche ici.
D'accord. Alors, comment on pourrait aborder ce truc-là? Est-ce qu'il y a une route? Vraisemblablement, il y a une route qui doit aller vers le nord. On va déjà aller faire un voyage rapide jusqu'au monastère, déjà. Vu que le point est apparu. On va voir à quelle tronche il a ce monastère. Ah ouais, quand même. Bon, pour l'instant, on va pas y aller. On va déjà chercher notre Moldavite. Alors, déjà, voyons voir si j'ai déjà... Ouais, peut-être qu'il y a moyen d'aller vers là et ensuite vers l'ouest. D'accord, on va remonter vers le nord. Et on va aller plein ouest. Ça nous permet de suivre, de un peu découvrir le monastère de l'extérieur. On ira tout à l'heure. Ah bah c'est bon, parfait. Ça va plein ouest. Alors, est-ce que c'est par là ou la route du haut? On ne sait pas. On va regarder la situation. On y arrive. Alors, on a une petite maisonnette ici. Ah oui, en effet, c'est l'eau. C'est ce qu'il avait dit. Il devait traverser Agué vers Sasso. Il devait traverser là. Et en fait, ben, il est quelque part dans cette zone-là. On ne sait pas. Alors, à ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'il y a un giveaway ce soir. Vous pouvez gagner une carte d'une valeur de 10 euros. On aura deux autres cartes et deux jeux... offert, je crois que c'est des dracons d'ailleurs qui me les a offert. Deux jeux Evoland à offrir tout le long du mois pour fêter les 1 an de la chaîne. Et ce soir, c'est une carte de 10 euros qui est en jeu. Donc, votez, enfin, tapez point d'exclamation MAW M-A-W pour participer. Alors voilà, on est dans la zone de recherche. Tiens, c'est une chariote. Des traces de sang. De cheval. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils ont bouffé le cheval ou quoi? Les traces mènent par là. Bon, écoutez, là, on va sauvegarder. On va sauvegarder, on va écraser une ancienne sauvegarde. Avant de continuer, Taper sur le dragonnet pour sortir un mot. Non. Je suis pas une peluche sur laquelle il faut appuyer. Tirer une cordelette pour faire du bruit. Mais bon, ça pourrait être une bonne idée de merchandising. Alors, voyons voir. Déjà, il y a du sang. Donc, on va passer en mode boom, je t'attrape, comme on dit. Petit. J'espère que c'est pas un ours. Ah! Que se passe-t-il ici? Je viens de voir le cheval qui s'est foutu devant toi. Regardez-moi. Non, courva. M'attaque direct. Ah, il y en a un autre. Flûte. Oui, ils sont plusieurs. Où est-ce qu'ils sont tous passés? Vite! Aux armes! Par ici, vite! Donnez l'alerte! Attention! Toi, t'auras pas le temps de tirer ta flèche, toi. Voilà. Allez, moi j'ai faim. Alors. Il y a encore du danger ou pas? Tiens. Mais il y avait déjà un mort, là. Eh, mais c'est lui! Le voilà, Martin. Alors, attendez. Coiffe, chapeau, feutre rouge. On va relire le journal de quête pour savoir c'est qu'on en était. Retrouver la Moldavite égarée. On va juste relire le journal des quêtes. Martin Vizek, c'est bien lui. Alors par contre, la Moldavite n'est pas sur lui et peut-être qu'ils l'ont mise dans le coffre. On va déjà fouiller avant de laisser ouvrir le coffre. On va déjà regarder s'il n'y a pas déjà la Moldavite ou d'autres choses intéressantes sur eux. Nécessaire de forgeron, ça c'est toujours utile. Flèche perforante, oh ça c'est bien ça. Bague en argent. Oh, un bel arc de chasse. Des bandages, toujours utile.
un flambeau. Bon, il n'est pas sur lui. On va regarder sur son complice, son comparse. Qui était bien équipé quand même. C'est pour ça que j'ai pas voulu le laisser en vie. Il y aura des choses à récupérer sur lui. Alors, cubitière de plate. Bon, il y a pas mal de choses, on va tout récupérer. Allez hop. Même si je suis chargé comme une mule, je vais juste appeler mon cheval. Ce qui est bien avec les bandits, c'est que comme leur équipement n'est pas considéré comme volé, t'auras pas besoin d'aller voir un meunier pour les vendre. Exact. C'est bien pratique. Allez, brave cheval. Alors, déjà, inventaire. Donc, on va sélectionner les choses qui sont les plus lourdes. Ici. Alors. Et les trucs que je porte pas, évidemment. Bon, c'est assez mal traduit. Rejoindre cheval, ça veut dire en fait. Attends, ça, le bouclier, je l'utilise pas pour l'instant. Je préfère être plus léger dans mes combats et avoir sans bouclier. Donc voilà. Et bien sûr, je vais pas mettre les choses que je porte. Hein. Les choses que je porte, elles sont marquées ici. La brigantine, tu pouvais la mettre. Oui, je sais, mais bon, pour l'instant, j'ai ma grand bisonne sombre, qui est pas mal. Quand je la retire, l'avantage, quand je retire mon octon rouge, ouais, c'est que je suis plus discret. La brigantine, elle se place par-dessus ta cote de maille. Oui, je sais, mais je préfère quand... Oui, bon, je préfère avoir moins de lourdeur, quoi, pour l'instant. Bon, alors, j'espère qu'elle est là-dedans, en fait. Alors, ça devrait être facile, en théorie. Voilà, un niveau en crochetage, débloqué, parfait. Alors, est-ce que j'ai de la... Oh, la Moldavite! Oui, génial! Bon, on va tout prendre. Impeccable. Et ben voilà, on a retrouvé la Moldavite, les gars. Bon, une fois le dragonnet, ne fait pas tout foirer. Ça mérite que quelqu'un s'abonne à Twitch sur ma chaîne. C'est suffisamment rare. Regardez bien, clipez bien cet instant. Le dragonnet qui réussit parfaitement une mission. Je vais juste aller regarder ce qu'il y a dans le chariot. Je méfie parce que quelquefois il pourrait y avoir une vache qui pourrait arriver ou un truc comme ça. Hier j'ai perdu une mission à cause d'une vache. Alors c'était pas dans ce jeu là, mais une vache s'est interposée. C'était la honte. Mais bon, c'était une journée spéciale, une soirée spéciale salée, donc ça va, quoi. J'espère que ce soir, ça sera un peu plus sucré. Allez, on remonte. Un petit truc qui peut porter à confusion dans le jeu-là. Oui. Des fois, t'arrives dans des... par exemple, dans des camps de bandits, et il y a des coffres. Des fois, t'es ouvres, et quand tu vas pour prendre les choses, t'écris « voler ». Oui, c'est vrai. Même si tu les voles, entre guillemets, en fait, ils sont pas considérés comme volés. Parce que c'est. D'accord. Ça a été pris dans des camps de bandits. C'est un bug, quoi. Ça, c'est un petit problème avec le jeu. Ah, ça y est, on arrive en ville. Parce que quand on arrive en ville, moi, j'ai l'atout citoyen. Donc, dès que vous arrivez dans une agglomération, eh ben, ça me permet d'augmenter mon charisme. Dès que je suis là-bas. Ok, on va déjà aller rendre visite au. Au maître. Tailleur de pierre, Moi j'ai eu du tailleur de pierre dans ma famille d'ailleurs. Oui, j'ai vu la vidéo, Jigard, sur les lapins tueurs. Merci Crazy Bob pour l'abonnement. Et ben voilà, il suffit de demander. Merci beaucoup, merci de ta confiance. Alors, forgeron, ça peut être toujours utile ça. Juste regarder la carte où c'est que je suis déjà. Tout le monde change de trottoir, ouais. C'est, C'est bien en B, la couronne. Alors, oui, c'était là. C'était là. Et ils ont vraiment du caractère, les bâtiments dans ce jeu-là. Ils ont été faits à partir de plans d'origine et de reconstitution, et puis de fouilles également. Et c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. On a vraiment l'impression d'être... C'est un voyage dans le temps. Imaginez le même jeu en VR, ça serait vraiment fantastique, quoi.
Alors, Maître Jérôme va être content. À propos de cette fameuse Moldavite. Oui, vous avez des nouvelles? Des bonnes. Oui. Là, j'aurais pu la garder pour moi, c'est vache. C'est que j'ai retrouvé Vieszek. Vous m'envoyez ravi. Mais merci beaucoup, Crazy Bob. Pourquoi n'est-il pas présent avec vous? C'est la mauvaise nouvelle. Il est mort. Dieu Tout-Puissant. C'était un brave homme très respecté par ses pairs. Je vais prier pour son âme. Cela étant dit, montrez-moi la pierre, si vous le voulez bien. Bien sûr, la voici. Tu peux nier de la voir, c'est vache. Elle m'a l'air en parfait état. Je me mets au travail séance tenante. Repassez la chercher demain soir. Bon, bah voilà. Les maîtres tailleurs vont finir la couronne. Et donc, j'aurai les trois objets pour Dame Tiphaine. Génial. Allez, on va aller au monastère enquêter maintenant. Sur cet incident, cet accident et ces histoires de pierres. On va relire le journal. Oui. Alors, déjà, qui jette la première pierre? Un accident s'est déroulé sur un chantier du monastère de Sasso à cause d'une pierre de piètre qualité. Le maître de carrière de Talmer craint que cette affaire ne porte atteinte à sa réputation. Donc le maître de carrière voulait que j'apporte mon aide au monastère de Sasso. Je m'y suis tout naturellement dirigé vers le seigneur Divich, qui m'a donné son autorisation. Donc là, on va voir s'il y a une part de vérité dans ces rumeurs qui affirment que la pierre est de piètre qualité. En fait, à l'époque, évidemment, la couronne était toujours en permanence en lutte contre l'autre pouvoir, le pouvoir divin, la religion. Donc évidemment, là, ils essayent de discréditer un petit peu tout le monde. Et peut-être se fournir ailleurs que chez la carrière et payer moins cher leurs pierres. Ils ont un contrat, en fait, le monastère. Là, on va enquêter. Peut-être qu'il n'y a pas des bains publics dans le coin. Attends, je vais regarder. Mon avis, ouais, ça saute. Alors, attendez, on va essayer de voir où c'est qu'ils sont. Ils doivent être là. Vous voyez, il y a des espèces de tentes ici, là. Ça doit être ici, les bains publics. On va essayer d'y aller. Je vais mettre un marqueur. J'ai un lieu inexploré. Parce que c'est peut-être mieux d'y aller quand on est bien propre, bien lavé et tout et tout. Ça me permettra d'avoir un peu plus de charisme et un peu plus de... Ouais, mais non, ils sont pas au monastère par contre, les bains publics. Non, c'est à l'extérieur. Alors c'est peut-être pas ça, les bains publics, c'est quoi ce truc-là? C'est un meunier peut-être? Ah, ils sont pas à Sasso, les bains publics? Non, ils sont à Sasso, pas au monastère. Oui, oui, je t'entends bien. C'est pour ça que je suis en train de chercher dans la ville. Je sais que ça pourrait bien être. Parce que là, je suis pas encore au monastère. Je suis juste devant. Mais j'y suis pas encore. Justement, devant le monastère, ça fait partie du monastère. D'accord. Sasso, c'est plus au sud. Je marche surtout avec mon cheval. On va aller plus vers le sud, alors, dans ce cas. Parce qu'en fait, disons que c'est considéré dans le jeu comme deux villes différentes. Si tu dézoomes sur la carte puis tu vas placer ton curseur directement sur l'endroit où c'est marqué Sasso, puis que tu zoomes, tu vas avoir une autre carte qui va s'afficher. Ah oui, en effet. Alors, j'aurais pensé quand même que c'était plutôt là. Oh, c'est pas un collègue là, des fois, là. Maman, ça ressemble. Mais j'ai pas des pattes d'oiseau, moi. Ah, je vois des tentes là-bas. Ça m'a l'air d'être bon. Peut-être ça. Je parle du petit diable. C'est quoi ce truc-là? C'est un chapiteau? À moins que ça soit de l'autre côté. Vous voyez, des tentes là-bas. Bon, bah écoutez, on va traverser le pont. Ah, parce que je tiens quand même un petit peu à ma prestance. Pas arriver puant avec une armure crottée. Vous voyez, mon armure est toute crottée là. Yes, hello Jordan Mars. Hello, welcome. Yes, we're from France. And Link is from Québec. Maman, welcome here. Alors. What means Bing's? I think it's Bing's TV, I think, because I was on their referral program. And it's... Oh, un point de voyage rapide.
So I think you're talking about Bing's TV. It's a thing that use blockchain and that kind of thing to have a currency for referral and for developers. They're planning to do special games where you can win some currency while you play it. Ah, Bing's. It's a French thing, Bing's? What the fuck? No. No, I never. Alice, music in French. Forget it. But no, I never had that sound. Bing's. Ah, je pense que c'est là. Les bains publics, les voilà. Alors, recourir au service des bains publics. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? Oh, m'a l'air décidé. Soigner mes plaies, lever mon linge, on va tout faire. Un peu de tout. J'aimerais panser mes plaies et prendre un bon bain. Et mes affaires. Je suis dans les Bings. I'm in the Bings. Oh, on a no idea. Aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. No fucking idea. Ah, mais non, t'as fait la mise à jour. La mise à jour de quoi? Pour Kingdom Come, je ne vois que les nouvelles options dans les bains. Ah oui, bien sûr, tu peux te raser, tu peux changer ton apparence. Bah, je vais vous montrer d'un d'ailleurs, justement. Alors, les bains publics, par exemple. Et qu'est-ce qu'il vous... On peut se couper les cheveux différemment. Une coupe à la polonaise. Une influence orientale, par exemple, si on veut avoir l'arrêt. Vous voyez ? Alors, ça, je ne préfère pas. Ou pas. Enfant gâté, c'est quoi ce truc ? Ça, c'est plutôt la coupe de départ, en fait. Ou pas. Et on peut également changer également sa barbe aussi. Avoir une barbe ou pas de barbe. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse? Alors, attendez. Vous rasez, voilà. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, la fierté du bûcheron. L'élégance. Je vais vous montrer. Dignitaire, par exemple. Voilà. La moustache. Cuir, moustache. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Troubadour, voyons voir. Ouais, c'est pas mal. Allez, on va garder celle-ci. Merci. Je pense que vous allez être comblé. Que Dieu vous bénisse. Troubadour. Allez. Ah, c'était lui qui était en train de tailler des choses. J'aurais cru que c'était quelqu'un sur le Discord ou autour de moi qui faisait ce bruit-là. Le son est vraiment bien géré. Bromsola Deb. No idea. I never heard about that artist, Yoden. I don't listen much to music, but no. If it's a friend artist, I never heard about it. Alors, le monastère. On va éviter de faire le voyage rapide parce que qu'on voit un petit peu les alentours du monastère, qu'on découvre l'endroit. Attendez, c'est plutôt par là qu'il faut aller. Parce que quand je vois des vaches comme ça, j'ai toujours envie de charger. 100 million views. Wow! I will have to listen to it. Maybe it's. Song used in a commercial, but... Alors, le monastère. Tiens, il y a un herboriste, là. Ah, je pense qu'à mon avis, avant de se perdre là-dedans, on va aller poser des questions au premier... Cherche pas à rejoindre l'herboriste, j'ai déjà essayé. Alors... Puis-je voir l'intérieur du monastère? Je suis mandaté par Thalmberg. Les ordres me viennent directement de Thalmberg. Je dois m'entretenir avec le responsable des travaux. Il vous faudra donc trouver le maître d'œuvre ou notre frère contre-maître. C'est à quel sujet? Alors, c'est attention. En rapport avec la pierre pour les travaux. Ah, alors ça relève du ravitaillement. C'est donc au contre-maître qu'il faut vous adresser, c'est son domaine. Son bureau se situe juste au-dessus de nous. Montez les marches sur la gauche et une fois en haut, refaites le trajet en sens inverse. Montez les marches sur la gauche et faites le trajet en sens inverse. Alors, est-ce qu'on peut voir l'intérieur du monastère? Puis-je jeter un œil à l'intérieur du monastère? Qu'est-ce qui vous prend, jeune homme?
L'enceinte du monastère appartient aux moines de l'ordre de Saint-Benoît. Personne d'autre ne peut entrer. Énerve, foutent le feu à leur monastère, tu vas voir, tiens. Est-ce qu'ils accueillent les dragons là-dedans? Je sais pas. Alors, à gauche, monter les escaliers. Bon, ça doit être là-haut. Il y a juste les moines qui peuvent entrer dans le monastère. Ouais, ouais, ouais. Et refaites le chemin en sens inverse. En sens inverse. Attends, peut-être, c'est peut-être par là. Attendez, j'ai un indicateur de quête qui se rapproche. On va regarder. Ouais, c'est bien le B. Alors, B, ça serait par ici. Par là. Ah, c'est plutôt par là. Ah ah. C'est un lieu privé. Ah bah voilà le contremaître. Que Dieu vous accompagne. Ma maman, thanks for the lurk, champ homeward, ma maman. Allez, on va faire la quête. Je viens au nom du seigneur Divish. J'aimerais jeter un œil à l'endroit où s'est produit l'accident. Et pourquoi le seigneur Divish s'intéresse-t-il à cet accident regrettable? Il voudrait savoir le rôle qu'a joué la maçonnerie là-dedans, ou du moins sa qualité. Selon moi, elle a joué un rôle déterminant. Mais je ne compte pas faire entrave à votre enquête. Je me suis seulement assuré que ce pauvre homme soit entre de bonnes mains et ça me convient amplement. Merci. J'apprécie votre geste. Alors, quel est responsable de l'achat des matériaux? Savez-vous quand a eu lieu la dernière réalisation d'une ligne pierre? J'étais informé à terre du recrutement de la carrière. Donc, déjà, ça peut être intéressant de savoir qui est le responsable de l'achat des matériaux. Qui est le responsable de l'achat des matériaux de construction? C'est moi, en grande partie. Je paye les coûts et je m'occupe de l'organisation des livraisons, mais tout le reste, il en incombe aux personnes du chantier. Je ne suis pas qualifié pour m'exprimer sur la qualité des pierres. La pierre rouge nous est livrée de très loin. Il s'occupe également de l'entreposage? Oui, mais en principe, elles sont utilisées aussi vite. Le chantier bat son plein. Intéressant, ils sont en flux tendu, même à l'époque. Vous vous souvenez du jour de la dernière livraison de pierres? Ouais, il pleuvait beaucoup cette semaine-là, alors ils ont laissé le chariot juste devant la grille, de l'autre côté du mur. Ça nous a pris du temps avant qu'elle ne sèche assez pour pouvoir les transporter à nouveau. Et vous n'avez rien remarqué de suspect? C'était quelque peu étrange, si je peux me permettre. D'habitude, ils nous apportent de gros blocs de pierre qui sont ensuite taillés plus en détail. Mais cette fois-ci, ce n'était que des plus petits morceaux. Personne n'a sourcillé. Il faut dire que c'était une charge de travail en moins pour tout le monde. Tiens, tiens, les pierres étaient déjà taillées? Étonnant. J'ai été informé que vous étiez en retard dans le paiement pour la carrière de Thalberg. C'est exact. Nous-mêmes, nous avons eu des paiements tardifs et il nous a fallu du temps avant de rassembler suffisamment d'argent pour payer. Mais ça s'est déjà produit par le passé. Oh, the most popular rap group in France. No idea, because I really like music, but the only thing I don't really like is rap, so... I can help you, but I know Stupeflip. Ok, donc là, on a appris des choses suspectes sur les pierres. Alors, parler avec le maître d'œuvre du lieu de l'accident. On va voir où il se trouve ce maître d'œuvre. De l'autre côté? Alors, ça, il serait dans le... Ah, tiens, c'est là. En fait, voyez ici, regardez. Il y a des travaux dans le monastère. On voit ici les pierres, et là on voit ici les ancêtres de la grue, cette espèce de roue de hamster dans laquelle ben, y a des gens qui pédalent, enfin qui poussent, pour faire remonter ou descendre des blocs. Donc il faut se rendre sur le lieu de l'incident, on doit enquêter. Et c'est là-haut, voyez. Bah, moi aussi, de faire de bonnes jambes. Ouais. Tu fais de bonnes cuisses avec ça. Bon, là je pense que le cheval ne passera pas, hein, de toute façon. C'est en pleine construction. On va éviter de passer en dessous la grue. Pas envie de me faire écraser. Attends, peut-être qu'il est en bas, tiens, le maître d'œuvre. Ah, ah, oui, 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 effectivement. Oui, le voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Oh, il me revient pas, celui-là. J'ai à votre service, noble chevalier. Alors. Je viens de la part du contremaître. Vous devez me montrer le lieu de l'accident. Comme si j'avais le temps de faire une visite guidée. Il aurait pu le faire lui-même. Pourquoi vouloir scruter les lieux au juste? Alors... C'est à cause de la pierre de Thalberg. S'il s'avère qu'ils fournissent des matériaux de piètre qualité, il y aura des répercussions. J'aimerais savoir lesquelles, mais j'imagine que le contremaître apprécie la pierre à bon prix. Ouais, sauf si c'est frites et cause des accidents.
À quel endroit est survenu l'accident ? Il n'a pas eu lieu sur le chantier principal, mais sur l'annexe à proximité de l'église. Ah tiens. Juste en dessous du grand escalier qui précède les portes de l'entrée principale. Demandez à mon assistant, c'est lui le responsable. Vous allez facilement l'identifier, il s'habille comme s'il était le patron. Ok. Allez, on va enquêter. Parler avec le maître d'œuvre du lieu d'accident, ça c'est fait. Donc maintenant, on va aller voir l'assistant. Il y a une annexe ici. Alors attendez, est-ce que c'est vraiment par là? On est dans la zone. Cherchez des indices. Attendez, on va regarder, on va journaler le journal de quête. Et essayer de trouver des indices pouvant éclaircir la situation. L'échelle, on va descendre. Descend bizarrement. Alors, oula. Là, il y a une porte là. Bizarre l'animation là, c'était... Ouais, elle est vraiment bizarroïde. C'est pas une descente d'escalier, mais c'est comme si. Coupe de la grotte. Attends, on va mettre... Là, une échelle et un escalier. Ouais. Attends, je regarde la configuration des lieux ici. Par contre, là, t'es pas partout au bon endroit. Non. Quelqu'un fait de l'arboristerie ici, visiblement, parce que je vois... Il y a même une tombe, là. Bah, t'es dans un monastère. C'est vrai. Il y a une porte là. L'annexe, c'est à l'extérieur du monastère. Ah, attendez. Toi, il avait dit près de la porte principale, alors je comprends pas pourquoi. Ah, c'est peut-être qu'on me demande de rechercher peut-être des indices, c'est ça en fait. Ouais, faut que tu cherches des indices. C'est ça qui est vache, on me montre même pas le lieu exact de l'accident, donc du coup... Il faut que je cherche par moi-même. Par contre, t'as une zone. Alors, what this means devant le pétard normal que t'entends plus rien. A pétard in French is a small explosive used with on 4th July on and to do pranks and it's very loud. So it says t'entends plus rien. That means you can hear anything, so you're deaf. Ok, comment on fait pour descendre une échelle là? Allez hop. Ah bah, je suis revenu à la case départ. Oh là 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 là. Projetage très difficile. Sympa. Hein? Bon, je suis peut-être pas dans la zone pour rechercher. Voilà, c'est ça. La zone vient de s'illuminer, donc c'est ici qu'on cherche des indices. Et là, est-ce qu'il le laisse? Ah non, ça s'éteint. D'accord, donc là, c'est pas la zone de recherche. La zone de recherche est ici. Bon. Alors là, c'est plus allumé. Quand même incroyable, ça s'allume juste dans cette zone-là. Donc ça sera en bas de l'escalier, en bas de l'échelle, d'accord. Donc ça serait peut-être tout à l'extérieur. C'est-à-dire, en fait, ce qui s'est passé l'accident, c'est qu'il y a quelqu'un qui a reçu une tête à une... Bah oui, voilà, ça s'en rend sans doute bien. Quelqu'un a reçu une pierre et puis... Et ils n'ont pas touché à la pierre, donc normalement elle est encore là. Elle doit être encore là, d'accord. Donc, normalement, tu devrais peut-être chercher une grosse roche qui s'est écrabouillée, oui, sur quelque chose. C'est peut-être ça d'ailleurs, tiens justement, ça a l'air... Non. De toute façon, je suis même pas dans la zone de recherche, c'est ça qui est vraiment complètement frustrant. Et en plus, la grosse roche, ça fait à peu près 20 fois que je te vois marcher dessus. Bah, ça serait dans cette zone-là. Il faut vraiment que tu cherches dans la zone qui t'indique là. Ah voilà, je suis dans la zone là. Non. Non, là c'est pas la zone. Si
C'est ça qui est énervant, je vois pas de pierre écrabouillée, quoi, à part ces deux pierres-là, mais ça serait ça. On propose aucun show, aucune action possible. Dans cette zone-là aussi, à peu près. Logiquement, si la pierre est tombée, si quelqu'un doit être à terre. C'est-à-dire qu'il y aura encore la personne en dessous, quoi? Non, la personne, par contre, ils l'ont dégagée, mais la pierre est encore là. Ouais, mais regarde, dès que je sors, c'est plus... Bon, écoute, on va passer par le haut. Oh, c'est énervant. Mais bon, c'est pas le genre de jeu qui te prend par la main, justement, pour te guider. Hein. En tout cas, c'est vrai que quand tu disais que tu allais faire des marches, c'est... Du servi. Hein. What means les cuffs? It's cops. Cuff means cops. The police, in fact. Ok, alors là. Chez nous, on les appelle les bœufs. Mm-hmm. And we call it also sometimes cops pigs or cows or that kind of thing. Les poulets aussi. Yeah, chickens, chicks, chicken, yeah, chicken. Alors, ensuite, on les appelle aussi les mangeurs de beignes. Oh, c'est joli. Ça m'énerve. Je ne trouve pas la zone de l'accident. Ça m'agace. No, it's not official. It's not official, of course. Don't say cuff to a... It's just slang or very familiar... C'est plutôt, disons... La pierre rouge, tiens. Insultant. Quoique cache, ça l'est... Je vais regarder sur la carte. C'est ça qui est énervant, c'est complètement caché. Et c'est vraiment une zone infime, quoi. Ah, Orelsan, yes. Quite good, actually. Bon, est-ce que je chauffe? Est-ce que je... Je refroidis, Link. Déjà, ça va être dur à dire parce qu'il y a un petit décalage. Donc. Oui, bien sûr. Mais en fait, à chaque fois que je suis dans la zone, c'est qu'il n'y a rien, quoi. Je vais descendre les escaliers. Il faut que je sois dans la zone parce la que la pierre lui est tombée dessus. Ah, bah voilà, c'est ça. On peut encore voir les traces. Il fallait passer. Ouais, pourtant, je suis passé dessus pour que ça ne s'est pas déclenché. Il a enfin déclenché son dialogue. Qu'on voit encore les traces, d'accord. Ah, c'est ça? C'est cette pierre-là? C'est toute petite pierre-là? Je vais en récupérer un morceau. Quelqu'un pourra peut-être l'identifier. Petite... Oui, enfin voilà, c'est la taille de la tête de... C'est la tête, la tête. Oui, c'est la taille de la tête de quelqu'un, mais bon, il fallait l'avoir, la pierre-là. No, I'm not from Paris, maman. I'm from northeastern France, maman. Mountain area in North Eastern France near German border. I like Paris, but I don't like the Parisians. Sorry. Ok. Donc on a des informations. Oh. Damnation. Comment ça, damnation? J'ai déjà connu un... Ben, je connais un streamer qui a fait un voyage à Paris. Mm-hmm. Et il disait qu'il aimait pas ça parce qu'il trouvait que ça ressemblait beaucoup à Montréal. Ah! On se demande qui a copié sur qui. Alors, il faut que je retourne à Talmberg, en fait. Principalement de l'ambiance. Ah, de l'ambiance? À mon avis, ça doit être différent. Ouais. C'est pas possible. Disons que... Dans Montréal et Paris, c'est des grosses métropoles. Les gens ont tendance à jamais s'adresser la parole entre eux. Mmh. Alors, on doit retourner à Talmberg pour trouver la provenance de la pierre défectueuse. Donc c'est ici. Souvenez-vous, on avait été à Talmberg, on avait été jusqu'à la carrière pour chercher le rouquin au début du jeu. Et bon, on va y retourner. Maman. Par contre, Talmberg également, c'est pas l'endroit où il y a... Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est... Alors, attendez, déjà, sur le chemin, on va déjà essayer de récupérer la couronne chez les graveurs de Sasso. Autant le faire, hein, comme ça, au moins, ça sera fait. Et puis,
La gente dame. Alors attendez. Bah c'est. Elle est à Thalberg aussi, ça tombe bien. Donc il faut que j'aille récupérer. J'aille récupérer la couronne. Il est chouette ce monastère, mais j'aimerais bien le visiter, mais je peux pas. C'est réservé aux moines. Ça m'énerve. Bon, on va déjà aller retourner récupérer. Sinon, vu que t'es un voleur, tu pourrais juste attendre la nuit puis entrer par effraction. Et bon, par contre, si tu te fais pogner, voilà. Allez, on va aller voir nos amis les tailleurs de pierre. C'est marrant parce que j'ai eu des tailleurs de pierre dans ma famille, moi. Alors. Allez, à bout de la couronne, Maître Jérôme. Je suis à votre service, noble chevalier. Alors, cette couronne. Vous l'avez terminée ? Je crois me rappeler vous avoir dit quand la couronne allait être finie. Et vous arrivez trop tôt. Je pourrais faire comme dans les Simpsons. Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on arrive ? Quand est-ce qu'on. Bon, écoutez, moi, je vais pas m'amuser à faire... comment dire ? Quelle heure est-il ? Il avait dit qu'il fallait chercher le truc le lendemain, c'est ça ? À mon avis, la journée n'est pas passée. On va essayer de trouver sur Sasso une auberge pour passer la nuit, tranquillou. Juste dans les Simpsons, en France, Homer, en général, quand il va étrangler Bart, comment il l'appelle ? Espèce de petit... Du petit chenapan, où il dit petit simplement, espèce de petit. Ah, je crois que là, attendez. Ah. Informateur de quête. Parce qu'au Québec, en général, il dit mon petit verra. I'm from the Vosges, ma maman. It's in my. You can check my about thing on my page, ma maman. From the Vosges. I was born there, ma maman. But. Elsass is a very, very beautiful area too. Ok. Alors, informateur de quête. Et là, je constate qu'il y a une auberge. À mon avis, on doit pouvoir dormir là. Donc, on va essayer d'y aller. Ça peut être intéressant. Comme je dois attendre de toute façon qu'ils aient fini. Et je vais pas faire l'aller-retour tous les jours entre Thalberg et Sasso. Oh! You visit the Vosges, ma maman. T'as combien d'or? Pardon, de gros chênes sur toi? Attends, je vais te dire ce que j'ai pas énormément. J'ai 1200. 1200 gros chênes. Oh, c'est largement assez, tu pourrais acheter de logis là. On va voir. Alors, ça serait ça, là, l'auberge. Ah, visiblement c'est là, il y a beaucoup de fumée. Tu vas voir si je peux pas sauter avec mon cheval par-dessus le muret. Voilà. Ah bah nos amis étaient là déjà. Alors, est-ce qu'il y a un truc pour les chevaux ici ? Ouais, oui. On va le mettre ici, notre cheval. C'est pas là l'emplacement pour les chevaux. J'ai des informateurs de quête aussi dans cette zone là, donc un peu intéressant aussi. Enfin, quand ils disent informateurs de quête, c'est plutôt c'est l'aubergiste. Ah, la serveuse. Y a-t-il un endroit où je peux dormir? Ouais, j'ai une chambre de libre. Jusqu'à quand? On va voir combien ça coûte de prendre plusieurs nuits. Ah, zut! Oh là là, ça clique à toute vitesse. Oh, Königsburg is a very famous castle, ma maman. They shoot a lot of great movies there, ma maman. Voici pour vous. I need to go back there. It's a very, very beautiful area. Maman. And we also have a fantastic movie, international movie festival each year in Gérardmer, which is a ski station there. It's very beautiful, ma maman.
Alors, un endroit où dormir. Donc déjà, où se trouve mon lit ? C'est à l'étage supérieur. Passez par l'escalier dehors. Eh ben dis donc, elle est pas très jouasse. À votre disposition. Non. Alors c'est laquelle qu'elle a dit déjà ? Celle du milieu, c'est de gauche, c'est de droite ? Ah, ça raccrochait tout seul. Attends, je vais te... C'est bizarre parce que de temps en temps, depuis hier, on a des problèmes sur Discord. Il y a des désynchronisations en permanence. Et t'as des gens qui se font éjecter. Voilà Link, maman, tu es de retour. Je vais juste vérifier que le jeu n'est pas en mode fenêtré. Voilà, il s'est remis en mode fenêtré sans bordure. Génial. Voilà, maman, c'est mieux comme ça. Je rappelle qu'il y a un giveaway en cours hein, sur la chaîne. Vous pouvez gagner une carte de 10 euros. C'était lequel déjà, mon lit déjà ? J'ai pas me tromper. Hein. Bah attendez, on va le savoir tout de suite. Il y a un coffre. Il y a un coffre qui s'ouvre directement avec tout. Non, bah c'est pas celui-là, lieu privé. Sinon, tu peux aussi juste demander au gars où est ta chambre. Oui, je peux le demander, mais disons que j'ai pas été attentif comme un dragonnet vilain que je suis. S'asseoir, dormir et sauvegarder, bah c'est là. C'est là. Je vais pouvoir peut-être un peu vider mon inventaire dans le coffre. Histoire de me trimballer avec... Alors, où est mon coffre ? Il est là. Donc ce coffre-là, comme tous les coffres dans les jeux vidéo, communique avec les autres coffres. Une chance, parce que sinon ce serait chiant. Alors, inventaire. On va déjà regarder ce qui est le plus lourd. Déjà, on va s'en débarrasser. Donc, l'arc de... Ouh, il est bien, l'arc de chasse. Voyons voir si je peux l'utiliser, celui-là. Pas mal. On va s'équiper de celui-là. Ah bah non, bon, pour l'instant, je vais le stocker, déjà. On va déjà stocker les choses. J'ai envie de me trimballer avec trop de choses sur moi. Cavalier novice 2, tiens, va falloir que je lise ça. La dague, ça, je vais pas m'en séparer. D'ailleurs, il faudrait que je m'en équipe, d'ailleurs, de la dague. C'est un peu idiot, parce que j'ai tué des bandits, mais en fait, quand on a la dague équipée, on peut récupérer les oreilles des gens. Pour se faire du pognon. Coupe en verre. Je travaille avec n'importe quoi. Potion de barbe, ok, regardez tout le reste. Et je porte bonheur. Bloc tombé. Je me trimballe avec le bloc avec moi, vous rendez compte? Cierge d'hôtel de France. Oh. Ok. Déposition d'hérétique, ça j'en ai plus besoin. Ah non, je peux pas m'en séparer, d'accord. Bon. Donc voilà. Ouais, alors. Tout ce qui est objet de quête, tu peux pas t'en séparer. Non. Alors la nourriture, on en est où? C'est bon, 92. Je pourrais manger demain matin. Énergie 94. Je vais pas m'amuser à voler les gens la nuit parce que c'est gonflant. Donc ce que je vais faire c'est qu'on va se coucher. Je vais essayer de lire un bouquin peut-être. Quelle heure est-il déjà? Il est peut-être un peu tôt pour se coucher. Ouais, 18h. Non, c'est beaucoup trop tôt. On va essayer d'explorer la zone. Non, le cheval il peut pas passer par là, maman. Allez, galère. Allez, brave cheval, maman. On va explorer les zones qui sont non explorées dans Sasso, comme ça. On a encore quelques points d'interrogation. On en a même là pas mal, regardez un petit peu ce qu'on a là. On va aller au milieu de Sasso et on va débloquer toutes ces zones-là. Oh, Kaisersberg, it's a lovely place. Oh, did you see in the mountains, the lakes, maman? This is my birthplace there. There the blue lake, and the white lake, and several lakes around Gérardmer.
It's very lovely. Ok, alors est-ce qu'on a des indicateurs à débloquer ici? On en a plein, vous voyez. Tout ce qui est là, c'est à débloquer, tous ces points d'interrogation. Donc on pourrait déjà aller visiter ce coin-là. On a ici un lieu inexploré. On va aller droit devant, on va voir ce que c'est. Un boucher, d'accord. Ça peut toujours servir. Ensuite, on va aller par là. Alors, on devrait avoir des choses à débloquer ici. Alors, un forgeron, toujours utile, ça si on veut réparer ses équipements. Voyons voir justement au niveau des équipements où c'est que j'en suis. Au niveau de l'usure, hein, c'est ici que ça se voit. On va d'abord regarder ce qui est équipé, déjà. Alors, ça va bien, ça va bien. Ouais, 93, on est au-delà de 90% pour tous les équipements. Par contre, est-ce que je me suis équipé de la dague? Peut-être pas. On va y avoir arme. La dague, on va s'en équiper quand même. Ah non, il veut pas me l'équiper, dites donc. Enfin, il suffit de l'avoir dans son... Now it's one. My birthplace is one of the lake around... Around Gérardmer, ma maman. Some people says it's a blue lake, but... Maybe. Oh... Ok, on a débloqué ces zones-là. On va aller par ici pour débloquer. Ici. Alors, on a un boulanger ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Imprimeur. Waouh, c'est une jolie petite ville. Cette ville. Un petit village quoi. D'ailleurs, non. On a une petite église. Oh. On a un marchand ici. Alors, est-ce qu'on a encore des choses à débloquer? Oui, ici. Ah bah zut, alors j'ai pas débloqué là. On a un armurier, à mon avis, ici, on doit avoir... On va passer par là. On va pouvoir débloquer également un... Peut-être un vendeur d'armure. Bah, tu vois, l'armurier, c'est un vendeur d'armure, déjà. Ah non, c'est pilori. J'ai débloqué le pilori. C'est ça que j'ai débloqué? Ah non, c'est le greffier. C'est un greffier que... Bah, ça, c'est toujours utile, ça. Yes! Welcome back, Shodern. I was just saying yes. No, it's not Kaisersberg, my birthplace, but it's... If you see the many lakes around Gérardmer, and one of these lakes is called the Blue Lake, it's my birthplace. Oh, des granolas, ça c'est bon ça. Mais c'est pas des vrais. Donc je rappelle qu'il y a un giveaway en cours pour gagner une carte de 10 euros. 10 euros Steam card, so if you want to enter the giveaway, you just have to type exclamation mark M-A-W. Mo. Alors. Donc j'ai débloqué toutes ces zones-là, sauf le truc là au milieu, je viendrai plus tard. On va essayer de retourner à l'auberge. Quelle heure est-il? C'est ça qui est embêtant pour passer le temps dans ce jeu-là, j'ai pas envie d'attendre. Bah c'est bon, il est 19h, on ira se coucher tôt, qu'est-ce que vous voulez? Et on va se coucher tôt. Voilà, je mets un marqueur ici.
Putain, vous me donnez faim sur le chat. I'm hungry. Non, non, non. Ouais, mais je suis pas sponsorisé par Lidl. Et d'ailleurs, faudrait surtout pas, parce que t'imagines, j'aurais des granolas, enfin, des biscuits, et après je deviendrai un dragonnet trop gros. Ça va pas, ça. Ah, maman. Ben non, je me trompe toujours de porte, en fait. C'est là, chez moi, voilà. Oh, une douche, ça c'est bien ça. Non, non, non. Alors on va s'asseoir. On va voir si je peux pas lire un bouquin encore. T'es trompé de chambre. Ouais, je m'étais trompé de chambre comme à chaque fois, quoi. Alors. Déjà, je vais voir si j'ai pas un bouquin. Je vais voir s'il y avait pas un couple dedans. Ouais. Ah, ça aurait été bien. Non, non, non. Alors. Déposition hérétique, non, ça je vais pas lire ça. Cavalier novice, est-ce que j'avais lu ça déjà là? Bon, c'est bon, celui-là j'ai déjà lu, pas de problème. Donc, généralement, il y a une petite étoile hein, quand vous avez déjà lu, enfin, pas lu encore lu un bouquin. Mais ça va, Dracons, les placements de marque là. Heureusement qu'on n'est pas sur à la télévision, sinon j'aurais déjà des problèmes avec le CSA. Non, non, non. Ah, Crazy Bob, mais avec modération. Moi, je préfère la vodka. Un dragonnet, il est condamné à boire de l'eau. C'est bon, l'eau. Maman. Disons que l'alcool... Ça déshydrate. Ouais, ça me déshydrate et ça me rend vie encore plus vilain, donc t'imagines. Non, non, non. Bon voilà, ça a sauvegardé, très bien. Ah, il fait encore un peu nuit, le jour vient à peine de se lever. On va sortir la torche. Ah bah non, faut se lever pour sortir la torche. Oh, une tarte au maroilles. Ah, non, 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 du fromage. Maroilles, qu'est-ce que c'est ça? Je peux pas résister au fromage. On va aller manger dans la marmite, maman. Ok, Yoden Mars, and thanks for the follow, maman. Reviens. Il y a aussi le rhum que j'aime bien. Ça sur des crêpes, oui, moi aussi j'aime bien ça. Le rhum de la Réunion. C'est bizarre, j'ai mon alerte qui met un sacré bout de temps à se déclencher, maman. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Thanks for the follow, maman. J'ai l'impression que c'est le 200e follower en plus. Faudra que je vois s'il y a des gens qui n'ont pas une follow entre temps. Mais ça serait le 200e. You will be the 200th follower, maman. I will check this after that, the streaming, maman. But right now, I have to complete this quest. So, alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'abord de récupérer ce fichu couronne, quoi. Déjà. Mais je veux la carte. Je vais pouvoir faire un repère sur la carte. On a un chien. Voilà. Eh ben c'est bien, objectif atteint, et ça tombe bien en plus parce que ça me permet moi... tiens, on peut pas prendre un bain là, non? Voilà. Moi ça me permet de justement coïncider les 200 followers avec un giveaway, ce qui est génial, non? On peut pas couper à travers là? Non, on peut pas. Oh. Ah si, peut-être par là.
Ils sont peut-être pas tu encore levés. Couper à travers. Si tu peux pas couper à travers, prends un couteau. Ouais. Là, ça serait pas mal, une espèce de mode jungle. Avec le même moteur graphique. Bon, évidemment, ils sont pas encore là. Je peux peut-être fouiller dans leurs affaires, non. Je déconne, je vais peut-être pas faire ça. Parce que mode j'ai... jungle. On va attendre, parce que visiblement, ils sont pas encore réveillés, les tailleurs de pierre. Oh là là. On va attendre 8 heures. Enfin, 8 heures. 8 heures et demie. Pourquoi l'alerte n'est pas passée? Je comprends pas. Pourquoi ça l'a pas fait? Bon. Ce soir, Streamlab, c'est laborieux. Hein. Pourtant, j'ai eu le sub tout à l'heure de Crazy Bob, y a pas eu de souci. Mais là... Mes alertes sont pourtant actives. Ah, allez. Ils ont intérêt à me donner la couronne, sinon... Sinon, je les envoie sur la potence. Ah, Maître Jérôme. Le Seigneur. Et voilà, tu peux pas faire ça. Alors, cette couronne. Alors, cette couronne, vous l'avez terminée? Je crois me rappeler vous avoir dit quand. Cette couronne, vous l'avez terminée? Je crois me rappeler vous avoir dit quand la couronne allait être finie. Et vous... Bon, c'est pas le genre de jeu, il suffit d'attendre de laisser passer la nuit. Ils vont mettre plusieurs jours si ça se trouve. Gonflant. Donc ce qu'on va faire, on va continuer notre enquête sur cette histoire de pierre. Et on va se rendre à Thalmberg. Et après, sur notre tour, on fera un aller-retour supplémentaire. Déjà, est-ce que j'avais déjà, comme c'est en plus le début de la journée, on va en profiter. Thalmberg. Alors, Thalmberg, c'est tout en haut. Thalmberg, tu vas avoir un message. La couronne est finie. Ouais. Mais bah, c'est ça. Hein. Enfin, je doute qu'à l'époque, ils aient des pagers et des téléphones portables. Hein. Bon, n'hésitez pas à participer. Hein. Pour l'instant, on n'a que 3 personnes dans le giveaway. Allez-y, Normalement, quand ça va être fini, justement, tu vas avoir une notification de la quête. Qui dit d'aller la chercher. Un link, toi aussi, tu peux participer. Ouf, tente pas. D'accord. Bah, c'est toujours 10 euros, c'est bon à prendre. T'as pas mal de petits jeux sympatoches. On va laisser à quelqu'un d'autre. Ok, ok. Alors, on va voir si on va avoir une attaque sur la route ou pas. Ce qui est bien, c'est que le jeu nous laisse tranquille. Il n'y a pas toujours de la musique ou du bruit dans le jeu. Et c'est de la musique incidentale, on va dire. Donc, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est de la musique. Mais sinon, on arrive dans une ville. On a quelques bruits de harpe, De la musique d'ambiance. Voilà, c'est ça. Bien. Allez, ça charge. Bon. Alors, déjà, il faut qu'on se rende à la carrière, j'imagine. Et la carrière, elle se trouve au nord. Donc, il faut... C'est au-dessus du château, finalement. Alors, attendez. Est-ce qu'on peut passer par en au-dessus? Non, on est obligé d'aller en dessous, en fait. On va redescendre. On va passer par le sanctuaire ici. On va faire demi-tour. Parce que là, c'est aller pour aller vers le château. Là. Et on va suivre la grande route. Mais en allant vers le sud... Le nord. Le nord ou le sud. On va voir. Ou alors c'est plutôt... Attends. On va voir ce que nous donne la boussole. C'est plutôt l'ouest. Voilà, c'est ça. C'est comme moi. Je suis complètement à l'ouest. Marrant, j'ai une icône avec une coiffure qui est apparue en bas de l'écran. Techniquement, c'est moi qui est à l'ouest. Je suis au Québec. Oui, beaucoup, beaucoup à l'ouest, maman. Alors, la carrière, voyons voir. J'ai pas envie de me planter de direction. C'est plus au nord. Ouais, c'est beaucoup plus au nord, en fait. Ah, mais en fait, j'aurais pas dû traverser le pont. Ok, il faut prendre le chemin qui va... Si, tu peux traverser le pont. Ben non, parce qu'en fait, ça a l'air d'être de l'autre côté de l'eau. Ben, les deux chemins mènent à la même place. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, ils sont... Deux chemins qui suivent la rivière. Ouais, mais regarde, c'est plutôt... à l'est de la rivière, donc on va...
J'ai pas envie de traverser à... dans l'eau avec mon cheval. Ouais, sauf qu'il y a un pont dans le... Ah d'accord. Dans le camp. Ah, je vois la carrière en face. C'est la carrière qu'on voit au début du jeu quand on est poursuivi par les Koumans. Ah, c'est chouette. Fait intéressant, je suis rendu assez loin dans le jeu. Et à chaque fois que je retourne à cette carrière, ouais. Étrangement, le cheval que tu laisses pour aller trouver les cadavres de tes parents, ben, il était toujours là. Ah, ils l'ont laissé. Ouais, je sais pas si tu regardes, tu vas le... Est-ce que tu le retrouves jamais, en fait, quand tu vas chercher le cadavre? T'es téléporté, entre guillemets, tu ne peux jamais revenir. Et en fait, t'as réussi à le retrouver, quoi. Ouais, ben en fait, il est comment dire... C'est un honneur qu'un chevalier à la carrière. De valeur s'intéresse à moi. Alors, manifestez des ennuis. J'ai apporté le morceau de pierre qui est tombé. Vous m'avez... Alors, attends. Le seigneur Divish m'a dit que vous étiez dans une mauvaise passe. C'est peu de le dire. À cause des rumeurs qui courent, mes blocs de pierre restent ici, à prendre la poussière. Que s'est-il passé avec la pierre? Le truc, c'est que moi, comme je suis rendu pas mal loin dans le jeu, ça veut dire que la cheval n'a pas bougé de là depuis je suis sûr qu'il voyait quelques semaines. Et ce ne serait pas envisageable que... Du tout? Je leur ai envoyé la meilleure pierre. La meilleure pierre, bon. C'est de renier les coups pour se tirer de l'argent à la demeure de Dieu. Désolé pour tous vos tourments. J'espère que tout va finir par s'arranger. Qu'est-ce que tu voulais dire, Dracons? Non, je suis curieux. Ça empeste la vénalité et la politique. D'accord. Alors attendez, c'est pas très clair. On va lui montrer le morceau de pierre pour savoir si on a plus d'informations avec l'indice. Voilà la maudite pierre qui a causé tant de dégâts. Elle est vieille et érodée, mais ce n'est pas ma pierre. C'est pas sa pierre ? Hein ? Cette pierre ne provient pas de ma carrière. Vous remarquez les vénures ? Ce n'est pas de l'érosion. Elle vient d'ailleurs. Ça a été fait par un outil ? Attendez. Vous avez envoyé de plus petits morceaux. Est-ce qu'il a menti, le contremaître ? Pourquoi faire ? Nous faisons toujours livrer de gros blocs. C'est plus facile pour nous. Oh oh ! D'avoir une livraison de plus petits morceaux. Il y a quelqu'un qui ment. Ils ont eu moins de boulot pour les dresser. Mais c'est impossible. Je pense que les pierres qui leur étaient destinées ne leur sont jamais parvenues. C'est inimaginable. Je leur ai livré en personne le dernier approvisionnement, car je voulais discuter un peu avec eux. C'est rien passé en chemin, donc quelqu'un les a remplacés sur place. Attends. Les remplacer pour ensuite affirmer que c'est la nôtre ? Selon moi, ils ignoraient ce qui se tramait. C'est certainement une personne extérieure qui les a dérangés. Un voleur ? Peut-être pas. Parlez-moi donc de ces rumeurs. Un accident s'est produit au monastère, et les gens racontent que c'est à cause de la mauvaise qualité des pierres. Peut-être qu'une mauvaise pierre est arrivée sur le chantier d'une manière ou d'une autre. En fait, non, parce que... ce sont des diffamations. C'est des gros blocs qu'ils ont livrés. Cette carrière leur paraissait trop chère et ils en ont trouvé une autre. Dans tous les cas, j'aimerais connaître le fond du problème. Ça taille pas que des pierres ici. Oh. Ah oui, en effet. Non. Enfin. D'accord, donc on a beaucoup plus d'informations. Ça taille pas que des pierres, cette... Donc là, révéler au maître d'œuvre l'origine de la pierre, donc il faut qu'on retourne à Sasso. Le bloc de pierre qui s'est cassé et qui a provoqué l'accident à Sasso ne provient pas de la carrière de Thalberg. Quelqu'un les a certainement échangés. Je dois aller demander au maître d'œuvre s'il n'a pas remarqué des activités douteuses sur le chantier. Donc il faut qu'on y retourne. Je me doutais bien que c'était un cul-de-sac, cette carrière, c'est le cas de le dire. Bon, eh ben c'est bien. Allez hop, on va faire un voyage rapide. Sasso, ça va être vraiment long. Je vais juste regarder jusqu'à chez moi combien ça ferait. Ben, il me donne pas la durée. Attendez, dis à quelle heure est-il déjà? Ouais, il est midi. Ah, c'est jouable de Sasso à Thalberg. On va se rendre direct au monastère. Avec un peu de chance, j'arriverai avant la nuit et je pourrai peut-être interroger le maître d'œuvre. On espère que tu tombes pas sur des coups en chemin. Ouais, bah oui, mais arrête de dire ça.
Bon, là, j'arrive dans les dans un faubourg. Hein. Village, maman. Il est temps de se tailler d'ici. Eh, mais non, mais reste, Dracons, parce que si tu veux participer au giveaway, il faut que tu restes jusqu'au bout, maman. Attaque sur la route. Si on va essayer d'éviter, si on pouvait. Échec. On va essayer de fuir. Échec. Bon, bah voilà. T'avais raison. On va devoir se battre. Ah, en plus, c'est juste avant une ville. Qu'est-ce qu'il fait le cheval là? Allez. Oh, ça va, c'était. C'est rien du tout, ces gens-là. C'est vrai que le cheval, il est à une drôle de place. Ça, c'est de l'embuscade. Vous avez vu, mon cheval, il a grimpé comme un. Comme un seul homme, quoi. Bon, il est mort ou pas, l'autre? Ouais, même pas, c'est complètement. Bon, il y a deux cadavres, là. Il n'y a plus de zone de combat. Donc, on va juste retirer notre casque. Oh, mais regardez-moi ça! Il se prend pour la scie ou quoi, je sais pas, mais... Alors, voyons voir ce que je peux récupérer là-dedans. Moi, je vais tout prendre. Oh, les foutre à poil. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas récupérer leurs oreilles. C'est ça qui est bête. Si je me souviens bien, il faut une dague. Bah, j'en avais une. J'en ai une de mon inventaire. Elle est peut-être pas équipée. C'est peut-être pas ce genre de bandit. Ah oui, c'est peut-être pas ce genre de bandit, d'accord. Ah oui, en fait. Bah, si t'as une pub, Dracons, normalement tu devrais pas la voir sur ma chaîne de publicité si t'es abonné. Donc, attends, descends là, Galès, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il vient de faire, ce cheval? Normalement, il faut que tu. Un peu et tu le sais. Il faut. Oui, c'est ça. Et ce qu'il faut que tu fasses, Dracons, c'est que tu te logues bien avec ton compte. Bah, normalement, tu y es, donc rafraîchis bien la page en fait. Si tu t'es abonné, normalement, tu devrais plus avoir de publicité sur, au moins sur ma chaîne. Après, si t'as le Twitch Prime, tu devrais plus avoir de publicité du tout. Si t'as pris le Twitch Prime, sur aucune chaîne, quoi. Alors, c'est dans quelle direction, d'ici? On va regarder. Ça, c'est Samopêche. Samopêche. Et on va aller directement ici. Allez, voilà. Voyage rapide. Oui, donc je rappelle qu'il y a un giveaway sur la chaîne en ce moment. Vous tapez point d'exclamation MAW MAO pour participer. On a une carte de 10€ à gagner de Steam et on aura d'autres dans le mois et deux jeux à gagner. Deux jeux Evoland qu'on m'a offert donc pour le giveaway. Alors, ah bah, objectif accompli, tiens, c'est parfait. Ah, t'as pas pris Twitch Prime, mais alors. Normalement, sur ma chaîne, même si t'as pas Twitch Prime, tu ne devrais plus avoir de publicité. Parce que sinon, hein, Twitch m'aurait menti à ce moment-là. Alors, on va déjà aller voir, récupérer la couronne. Il n'a pas encore me dire... Mais non, l'objectif a été validé, donc il ne me dira pas que la couronne n'est pas terminée. Ah, c'est vraiment un jeu, on a vraiment l'impression d'ouvrir des portes et de descendre de vrais chevaux. C'est pas comme dans les jeux où vous êtes téléporté à l'extérieur du cheval. Salut, Mark Olske, bienvenue. Le Seigneur soit loué. Alors, cette couronne. Alors, cette couronne, vous l'avez terminée? Évidemment, je suis homme de parole. Tenez, la voici. Et pour au moins me regarder quand je te parle. Sans elle... La couronne ne serait que l'ombre d'elle-même. Bon, voilà. Moi, j'ai déjà accompli la mission pour Dame Tiffen. Et comme je suis à Sasso, on va continuer notre enquête et on va aller parler au maître d'œuvre du monastère. Tu sais que j'ai pogné une compétence spéciale. Ah? Laquelle? Une compétence cachée. Tueur de Kuma. Ah, ça a l'air cool, ça.
Ouais, dans la description, ils disent que j'ai tué tellement de Kuma que je suis réputé chez eux. Ah d'accord, ils te craignent en fait. Ils me craignent. Ah, c'est génial. J'ai 50% plus de chances de me fuir. Et en plus, mes attaques sont deux fois plus efficaces. D'accord. Ah, il y a des compétences cachées, ça c'est très malin de leur part. Ouais, il y a des compétences cachées. Comme là, par exemple, pour celle-ci, je pense que c'est évident, faut tuer beaucoup. Oui, voilà. Donc si je tue beaucoup de lapins, ben les lapins, ils vont essayer de m'attaquer ensuite. Normalement, c'est vrai que tu devrais pas avoir de publicité en dehors Crazy Bob. Enfin, il devrait pas y avoir de publicité, mis à part le début de lancement de la chaîne, mais quand t'es abonné, tu devrais avoir aucune pub. Bon, l'autre, il va s'expliquer parce que, à mon avis, les pierres... Ah bah attends, c'est peut-être lui. Assistant du... Non, c'est pas le bon. Pas faire de vol à la tire. Je suis à votre service, noble chevalier. Alors, voici le mort. Voici le bloc qui est tombé sur lui. Ouais. Et que dois-je en déduire ? Je ne suis pas un expert. Il ne provient pas de la carrière de Talmberg. De la pierre de Talmberg. Voilà. Quelqu'un a dû la substituer. Quelqu'un d'ici ? Nous avons des gardes et on ne peut pas transporter aussi facilement un chariot rempli de pierres. Complice intérieur, j'imagine. Je pensais qu'elle a été apportée dans cet état. Je vous le répète, elle ne vient pas de Talmberg. Je découvrirai qui est derrière tout ça. Ah ah. Messire Dragonnet mène l'enquête. Ah, ça fait bizarre de voir une église pas finie, hein. Alors, on va voir un petit peu où c'est qu'on en est. Révéler au maître d'œuvre l'origine de la pierre, bah c'est ce qu'on a fait. Au maître d'œuvre, blablabla. Ça m'énerve, pourquoi il n'a pas validé? Alors, attendez. Quelqu'un les a sûrement échangés. Je vais demander au maître d'œuvre s'il n'a pas remarqué les activités douteuses sur le chantier. Bah, pourquoi il me rembarre ailleurs? Ah, le maître d'œuvre serait là-bas? Ah oui, c'est contre... Tu maître d'œuvre. Ah. Tu avais déjà parlé, tu avais dit que ça ne te revenait pas. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont plusieurs là-dedans. Ah, peut-être qu'il est là-haut. Je ne le vois pas. Ah non, il est là. C'est qu'il est passé, il était là il y a une seconde. On a un chien, mais il me troll ou quoi, là? Mais moi, je vais te voir ce qu'il pense. Alors, le morceau de pierre qui s'est effondré diffère des autres. J'ai mené ma petite enquête et la pierre qui est tombée est différente des autres. Oui, elle est de piètre qualité. Mais nous devions faire avec. Elle n'avait rien d'autre et on ne pouvait pas se permettre d'attendre. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais dire. Cette pierre-là n'est pas la même que celle qui provient de Talmberg. On a dû la remplacer. Mais pourquoi ferait-on ça? Pour saboter. Peut-être que cette personne volait la nouvelle pierre et la remplaçait par l'ancienne. Ou pour saboter le chantier. Ouais. Je l'ignore. Le chariot n'a pas bougé de place. Il a beaucoup plu et on ne pouvait pas travailler. Nous aurions eu de la boue jusqu'aux genoux. Alors quelqu'un l'a emmené loin d'ici sans être vu. Mm-hmm. Un si gros morceau de roche? Il faudra un bon paquet d'hommes forts pour pouvoir le transporter. Je sais que vous essayez de nous aider, mais quelqu'un s'en serait forcément rendu compte. Alors, on va demander juste si c'est rien passé d'inhabituel. Il ne s'est rien passé d'inhabituel? Deux choses me viennent. Ah, j'ai gagné un niveau en éloquence. Nous avons voulu élargir l'échafaudage, les hommes ont déterré un crâne près du mur. Oh. Un crâne avec des cornes. Ouais. Ils s'en est vite débarrassé, mais des rumeurs sur ce crâne et sa malédiction se... Pas que c'était pas un dragonnet, ma maman. Doté de cornes? Comment a-t-il pu arriver là? Je l'ignore. Je ne l'ai pas vu de mes... Peut-être un collègue, maman. Nombreux témoins peuvent le confirmer. Allez voir l'échec, il vous en dira davantage. Okay. Et la deuxième chose? L'un des ouvriers s'est enfui. Tiens, c'est suspect. Ah, parce que toi, t'es assez fort pour soucier un si gros paquet de roches. Il a tout laissé derrière lui et a disparu aussi vite que de la vapeur au-dessus d'une marmite. Il n'en a informé personne. Alors, on a une histoire de crâne. On a une histoire d'ouvrier qui s'est enfui. Étonnant. Mais déjà, le crâne. Un crâne de démon. C'est peut-être un crâne de dragonnet. Est-ce que c'est pareil? Attends, pourquoi j'ai mon marqueur en A, là? Ah, l'échec est juste là, en fait. Il est là. Allez. Bonne journée à vous. Il paraît que vous avez trouvé quelque chose. C'est vrai. Je l'ai déterré au boulot.
Je l'ai emmené le plus loin possible pour que les autres ne le voient pas, mais la rumeur s'était déjà propagée. Et c'était quoi ce que les autres ne devaient pas voir ? Rendez-vous compte, un crâne de démon. Alors, bizarre ça déjà, dans un lieu saint ? Sur un lieu saint ? Hein ? Au beau milieu du monastère ? Mais c'était à l'extérieur de l'enceinte du monastère. Ah, ça change tout ! Précisément, il n'y aurait rien d'autre à y voir ? Rien que des échafaudages. On a commencé à creuser là-bas pour les travaux d'agrandissement. D'accord. Et vous êtes certain que c'était un crâne de démon ? Je sais ce que j'ai vu. Je sais reconnaître un crâne humain. Celui-là avait des cornes. Comme c'est pas une chèvre ou un dragonnet bleu ? J'ai une odeur pestilentielle en plus de ça. Bah, généralement, un crâne, ça pue. Un dragonnet, ça sent la rose. Et où est-il à présent ? Vous en avez fait quoi ? Je me suis rendu à la rivière pour le jeter dedans. Alors là, par contre, sauf je vais peut-être avoir besoin de mon aide, parce que moi, j'ai été obligé de chercher sur Internet pour le trouver, ce maudit crâne. Je vais tenter de le retrouver. Il a balancé à la rivière. Bon. Inspecter les lieux où l'échec a fait tomber le crâne. Alors déjà, regardons la situation. Bon, la zone a l'air petite. C'est au nord de l'enceinte. On va ressortir peut-être. Alors est-ce qu'il y a moyen de ressortir ? Ça c'est le monastère, j'ai pas le droit d'y aller dans ces zones-là. Il y a une porte normalement au nord. Dans le monastère. Ah. T'es pas obligé de faire le grand tour. D'accord. Ça pourrait être intéressant de... Ah, oula, je suis dans la... pas monter, abstenez-vous. Alors, on va regarder, c'est par là, on va traverser cette zone-là. Oh, c'est magnifique. Mick a une porte au nord, on va voir ça. Ouais, le monastère a plusieurs sorties, un petit peu partout. Il suffit de chercher un petit peu là sur les murets, il devrait y avoir des portes. D'ailleurs, tu viens de passer devant l'une d'elles, je pense. Du moins, sur le live. Bon, il y a un décalage. D'ailleurs, si tu regardes sur la carte, normalement, là, sur la carte du monastère, tu dois avoir un petit chemin qui part justement d'un des murs du monastère puis qui va jusqu'à l'endroit où tu dois aller. Attends, on va regarder. Ah, c'est peut-être par là. Non. Attends, je vais regarder juste sur la carte la situation. Je pense que c'est plutôt par ici. Hein. C'est à l'est. C'est pas vraiment au nord qu'il y a une sortie. Quand je disais au nord, je parlais surtout de la zone nord du monastère. D'accord. Parce que la porte principale, en fait, est au sud. Allez, on va ressortir par là. Mis ton marqueur au bon endroit. Là. Voilà. Là, tu dois déjà être dehors, vu le décalage. Pas encore. Voilà. Là, je suis dehors. Alors, on va suivre la rivière. Je pense que c'était vers le nord. On va regarder déjà. Si le cheval arrive à passer. Bon, il se téléportera. Il n'y a pas de problème. Juste regarder la carte où c'est que je suis. Bon, il faut juste que je remonte le chemin vers le nord. Easy peasy, lemon squeezy, maman. Si le cheval arrive à se téléporter. Oh, c'est pas loin, pas le cheval. Je suis comme un cinglé. Il va finir par... Le cheval va finir par s'énerver, en fait. Ah, ça y est, je suis dans la zone. Ah oui, en effet, c'est accidenté, cette zone-là. Bon. Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est délimiter la zone... Des recherches. D'accord, là on est hors zone. Et là, on doit être dans la zone. En fait, si tu regardes sur la carte, la zone forme une sorte de triangle. Ouais. Oui, c'est vrai que ça forme une espèce de... Ouais, donc voilà, je suis là. On va essayer de regarder déjà, peut-être sous le ponton, peut-être que ça a roulé directement dans l'eau. Il dit qu'il l'a balancé dans la rivière, donc... Ah, ça s'est désactivé une fois que t'es dans l'eau, donc ce serait pas dans l'eau. Ok. Voler. Ça, je cherchais encore un petit peu, mais après je vais te lever. Ah non, c'est de l'eau ardente. J'ai pas volé ça. Il y a quelqu'un qui a laissé de l'eau ardente, là. Oh, tu peux le prendre. D'accord. Même si t'écris voler, ça sera pas volé, en fait. Il y a des trucs, des fois, là, des coffres, là,
quand ça te dit voler, mais en fait... Et puis, de toute façon, en plus, moi, j'ai la capacité poche cachée, donc je peux dissimuler des choses lors des contrôles. Parce qu'il y a des contrôles de police là-dedans. Alors, est-ce que le truc... Sauf pour moi. Oui, bah évidemment, moi, je suis toujours suspect, le petit dragonnet. À l'exception des gardes de chasse. Étrangement, il y a juste les gardes de chasse qui m'ont fouillé. Ah, d'accord. Bon, alors, il est pas dans l'eau là. Alors que je suis un mec en armure, qui est même pas habillé pour chasser. Est-ce qu'on peut se pencher dans l'eau? Non. Non, je vais juste m'accroupir. Le cheval, il est dans l'eau. Il prend son bain lui aussi. Alors, on va voir. Par contre, vu la qualité de l'eau, elle m'a pas de l'air propre. Non, justement, il faudra que je retourne au bain public. On va essayer de remonter un petit peu, voir si le crâne ne serait pas des fois. Moi je l'ai vu. Hein? Moi je l'ai vu. Je savais déjà ce qu'il était, mais je l'ai vu dans ton écran. Mais en même temps, il est pas facile à voir. Attends, il serait pas dans le. Dans cette espèce de trou ici. Là. Normalement, je devrais avoir un indicateur, quoi. Ah, je pense que Dracon aussi l'a vu. Maman, à ta gauche, à gauche. Ah oui, le voilà. Crâne de diable. En fait, il est tout noirci, en fait. Je sais pas si c'est parce qu'en fait, Dracon a le jeu et qu'il l'a déjà fait. Je suis pas le plus apprécié. Juste vu. Inspecter les lieux, c'est fait. Voilà, tu l'as trouvé. Allez, le cheval. Pas facile. Il est bien caché. Apporter le crâne à l'équarisseur du village. Ah bah oui, à l'époque, il y avait pas vraiment de médecin, il y avait... C'est juste l'équarisseur, quoi. Je vais voir si je peux faire un voyage rapide, des fois. Alors, l'équarisseur, justement, on avait été... on avait vu un boucher, là. Voilà, bah on va écouter, on va faire un voyage rapide jusque-là, c'est bien pratique, justement. T'as payé où mon Larousse? Et là. Intéressant ce soir, c'est quand même dense hein, les quêtes ce soir, maman. On va voir ce qu'ils vont nous dire à propos de ce crâne. Et puis je pense que ce qu'on pourrait faire avant de terminer le stream ce soir, c'est d'aller voir Dame Tiffen pour lui remettre les objets pour voir si elle va être contente ou pas. Et avoir ta petite surprise. Bah j'espère. J'espère que c'est pas une mauvaise surprise, c'est surtout ça. Bon, je sais c'est quoi. Alors, ce serait par là. Alors moi, le jeu, je l'avais payé en early, pas en early access, mais si, enfin en précommande, mais j'avais payé moins, j'avais payé 35 ou 34 euros. Donc c'était pas cher du tout, mais parce que j'avais pris chez Greenman Gaming. Et il me faisait, en plus j'avais 25% de réduction, donc... Ah bah l'écarisseur est droit devant là en fait. Donc mais le jeu je crois qu'il est aux alentours de 40 euros dans ces eaux là. Équilibrant... Écarisseur... Ah bah c'est lui. Que Dieu vous vienne en aide. Personne qui écarie les animaux. Ouais. J'ai déniché ce crâne. Certains disent que c'est un crâne de démon, mais... Ah écarie. Je ne sais pas trop. Ma foi, ça y ressemble fortement. Pratiquer l'écarissage des animaux, ça me dit pas plus que ça fait. Bah en fait, c'est quand tu as des cadavres de bestioles, tu t'en t'en débarrasser. Tu vas à l'écarisseur. Ah bah ouais, écarissage, traitement des cadavres d'animaux. Bon, c'est des cornes de cerf. Comprendre que ce n'est pas authentique. Quelqu'un savait pertinemment qu'ils allaient creuser à cet endroit. Quelqu'un essaie de saboter en fait, en mettant des cornes. Les cornes sont accrochées solidement, même après avoir passé du temps sous l'eau. Celui qui a fait ça est un bougre qualifié. J'en doute pas. Donc ça veut dire que quelqu'un essaye de saboter sciemment le... Bon bah voilà, on demandera sûrement demain au maçon. On va essayer de retourner à l'auberge pour la nuit. J'y arrive avant que ça ferme. Alors l'auberge la plus proche elle est là. Il n'y en a pas une autre, des fois, justement. Ah, il y en a une ici, là. Bon, on va retourner là, déjà. Voilà, on va redescendre l'allée.
Comme j'avais pris qu'une seule nuit, donc je peux changer de lieu, il n'y a aucun souci. Alors attendez, déjà, vaut mieux circuler avec une... On ne veut pas avoir l'air trop suspecte. Circuler avec une torche la nuit, c'est mieux. Voilà, parfait. Alors c'est pas une boutique, ça, c'est pas un endroit où on peut dormir. Attendez, pourquoi il y a... Ah bah je suis pas au bon endroit. Je suis de l'autre côté. Mon sens de l'orientation. Ah là 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 là, le dragonnet a vraiment des problèmes avec les... C'est de l'autre côté en fait. J'en profiterai pour mettre mes affaires, enfin l'affaire volée dans mon coffre, comme ça, ça m'évitera de me trimballer avec. Voilà, taverne c'est de la du, place. C'est du whisky standard que tu bois, Chris Bob. Avec modération. Oui, avec modération, surtout pour du whisky. Ouais. Privilégier la quantité à la qualité. Oh, mais je veux pas acheter de la nourriture, je veux dormir, maman. Ouais, non, ça c'est une taverne, c'est pas une auberge. Bon, oh là là, ils sont chiants. En fait, les tavernes, c'est ceux qui ont un signe de pichet. Les auberges, c'est ceux qui ont des espèces de feuilles autour. D'accord. Je sais pas si tu sais, Chris Bob, mais il y a aussi des. Ça existe du whisky canadien. Je sais pas c'est quoi la différence, mais apparemment. Bah, ça vient du Canada, sûrement, j'imagine. Mais c'est vraiment la fois où je suis allé en Écosse visiter des cousins en Écosse, maman. Des cousins dragonnés en Écosse. Ben, il y avait une des distilleries, et en fait, elles sont interdites aux enfants parce qu'avec les vapeurs, ben, ça les rend. Ça les rend sous. Est-ce qu'un dragonnet est affecté par l'alcool? Ça me fait dire des choses vilaines, moi. Encore plus vilaines. En effet, ils foutent rien de leur journée. Ils restent toujours au même endroit. Mathieu et Fritz. Alors attends, c'est bien, c'est pas encore trop maintenant tard. Maintenant tu connais, Crazy Bob. Maintenant tu connais. Alors, elle est où là, la serre? Ah bah voilà, parfait. Allez. Non, je veux un endroit pour dormir. Y'a par ici, toi. Y a-t-il un endroit où je peux dormir? Non, j'ai pas l'alcool mauvais. J'ai l'alcool rieur, maman. Pour une seule nuit. D'accord. Mais il va falloir payer comptant. Ah, c'est sympa, c'est charmant. Voici pour vous. Faites comme chez vous. Personne ne va vous déranger. Bon, voilà. Où est ma chambre? C'est à l'étage supérieur. Passez par l'escalier dehors. Vous pouvez prendre la chambre du milieu. La chambre du milieu, d'accord, bah voilà. Bon bah voilà, home sweet home, maman. Ah bah non, en fait, finalement non. Je dis pas n'importe quoi, en fait, je dis des choses qui sont très vraies, maman, trop vraies, justement. Je dis des choses vilaines. Alors, prendre, non, ça non. Je vais déposer des choses plutôt. Alors, déjà, j'ai des choses qui sont volées là-dedans. Alors, non, en fait, j'ai rien de volé, de naviguer dans mon inventaire. Ah, si, peut-être, non. Des trucs qui me servent à rien, ça. Ça j'ai déjà lu. Capuchon en lin, ça voilà. Peut-être pouvoir manger les bretzels, tiens. Débarrasse des choses qui ne me sont pas utiles. Je pense qu'il faut que j'aille manger, je reviens. Ok, salut Link, maman. Bon appétit. Vous voyez, mes vêtements sont tachés. Il va falloir que j'aille au bain public si je veux aller voir Dame Tiffen, sinon. Je vais faire engueuler. Bloc tombé, il est toujours là. Bac d'argent, je vais la stocker, éviter de me la faire voler sur moi.
Voilà, et ben on va dormir, maman. Et on va aller voir Dame Tiphaine. Je pense qu'on attendra la semaine prochaine pour faire la suite de la quête sur mais ces fameux blocs qui sont tombés. Mais on va déjà au moins compléter ce soir, d'ici la fin du stream. Et puis après, il y aura le tirage au sort, évidemment. Donc j'espère que Crazy Bob est là. Oui, d'ailleurs, t'es toujours là. Dracons est toujours là. Et j'espère que Bleu Fenrir est toujours là aussi à nous écouter, ma maman. La dernière fois, en fait, il avait gagné, mais j'étais obligé de reroll. Parce qu'il n'a pas répondu présent, ma maman. Allez, déjà, on va déjà compléter la quête. FedEx. Allez, maman. Partie sauvegardée, parfait. Donc, direction Thalberg. Je pense qu'elle va être contente d'avoir ses affaires au plus vite. Il est où ce crétin de cheval? Ah. Attends, déjà, je vais voir si je peux pas manger quelque chose. Non, j'ai pas. Est-ce que j'ai faim ou pas? Alimentation 68. On va peut-être manger les petits trucs que j'ai sur moi. Nourriture. On va se prendre le bretzel qui est encore en bon état. La carotte. On va se prendre des champignons séchés. Et puis en dessert, des fruits secs. Voilà, c'est bon. 96 d'alimentation. On est OK. Ça te ferait trop plaisir que je perde, mais que je parte. Mais non. Ben non, justement, ça serait gênant parce que ce qui se passe en fait, c'est que si tu gagnes et que t'es pas là, ben c'est embêtant parce qu'on est obligé d'aller te chercher, d'attendre et puis ben après je suis gêné. Je préfère que ça se passe plus facilement. Non. Alors, direction Thalberg, on va retourner auprès de Dame Tiphaine. Donc, on va prendre la carte. Thalberg et... Bah zut, alors on va mettre la carte normale. Voilà. Allez. C'est comme si le GPS mettait du temps à calculer le voyage en fait. C'est le début de journée là. Donc il faut savoir, quand vous faites un voyage rapide dans Kingdom Come Deliverance, le brouillard de guerre se retire momentanément, mais si vous voulez durablement et de façon permanente le retirer, il faut que vous vous tapiez le chemin à pied manuellement, enfin à pied ou à cheval manuellement, pas le voyage rapide. Et étant donné que vous ne pouvez pas vous arrêter sauf pour combattre lors d'un voyage rapide, vous ne pouvez pas tricher comme ça pour débloquer toute la carte très facilement. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu de problème sur la route. Et très bien, on arrive en début de matinée à Thalberg. Impeccable. Impeccable, on va pouvoir déjà compléter la quête près de Dame Tiphaine. Maman. Ah oui, il est bien là. Bleu Fenrir est là. Attention, attention, la bagarre. Bleu Fenrir est là. Attention les yeux, attention la bagarre. Avec ses armes. Après, je sors mon arme, moi. Non, c'est mon arme, je veux la rentrer déjà. Et je veux également, voilà, ranger ma torche. Alors, où est Dame Tiphaine? Voilà. Non, ça c'est une villageoise. Elles aiment pas qu'on leur touche les fesses. Non, non, non. Elle doit être au rez-de-chaussée. Alors? Elle serait à l'étage quand même? On a un chien. Oui, Hold On, c'est la chanson d'Astérix et Obélix. Ah, elle serait peut-être au dernier étage.
Il chante pas très bien. Bienvenue. Loué soit le Seigneur. Qu'est-ce que vous avez en tête? Bah, lui donner la couronne. Je vous ai apporté la couronne du maître Graveur. Ah, maman. Henri, vous êtes un amour. Quel splendide Moldavite. Sophie aura le visage d'un ange avec. Bien, passons. Maman. En quoi puis-je vous aider, gentille dame? Vous en avez assez fait. C'est à moi de vous récompenser. Oh, gentille dame. Le privilège d'être reçu ici me suffit amplement. Allons, Henri, ne soyez donc pas si humble. J'aurais peut-être dû aller me baigner J'apprécie avant. J'apprécie vos loyaux services ainsi que votre aimable compagnie. Par ailleurs, j'ai quelque chose à vous remettre. Une surprise. Cette chemise appartenait à mon père. Il avait votre carrure. Je pense qu'elle vous ira parfaitement. Mais je ne peux l'accepter. Elle est trop précieuse. Justement, je ne vais pas la laisser en pâture au mythe. Mon mari ne rentre pas dedans, et je n'ai nul autre à qui la donner. Une chemise. Mais, si jamais vous veniez à nous abandonner de nouveau, j'aimerais que vous ayez un souvenir. Pour penser à moi. Oh. Jamais je ne pourrai vous oublier, Jean-Claude. Alors, vous ne voulez pas au moins l'essayer? Quoi? Tout de suite? Bien sûr. Comment ça, tout de suite? Je me tourne, ne soyez donc pas pudique. Et si votre mari venait à entrer? Impossible. Personne n'y est autorisé. Eh ben, si je viens de rentrer à l'instant, mais je vais pas me déshabiller ici. Attention. Attention, il y a un choix crucial, les gars, là. Qu'est-ce qu'on fait? Si on part, il y a rien qui se passe. Mais ça peut être nettement plus drôle si on met la chemise et qu'on se fait surprendre. Ou qu'il se passe autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie, mais je ne peux pas accepter pareil cadeau. Et puis, il serait dépassé. Non, mais pourquoi il a choisi l'autre? Devant l'épouse du seigneur Divish. Quel dommage. Elle vous serait allée à merveille. Mais pourquoi il a choisi? Quoi? Mais c'est quoi ce jeu là? Mais Alors là, non, je suis désolé. Je veux voir ce qui se passe quand on met la chemise. C'est pas intéressant, vous voyez. Si on veut faire des choses intéressantes dans la vie, il faut se lancer quelquefois. Sortir de notre zone de confort. Donc je retourne, je reprends ma sauvegarde. Je requitte Thalberg. Cette fois-ci, j'irai prendre ma douche. Et hop. Voilà le cheval. Tu viens. Il y aura un peu de rap ce soir, hein, mais bon. On va à Altenberg. Là, il y a une zone de... Demandez au maçon, il a dit, bon, on s'en verra ça plus tard. Je veux finir cette quête-là ce soir au moins. Allez, voyage rapide. Ah, c'est, tu penses que j'étais trop long, Bleu Fenrir? Je voyais pas de temps limite, hein. Normalement, quand il y a un choix avec un temps limite, c'est explicitement indiqué. Bon. Allez, le jeu, allez. Peut-être que cette fois-ci, j'aurai une attaque sur la route, on va voir. Ah, voilà, on va essayer de fuir. Échec, et ben voilà, une petite attaque. Allez, c'est parti. Tu cherches quoi? Les gars dans ton genre, un petit gros bien. Merde! Et directement en enfer. Sanigo, ça tu vas me le payer. Voilà, couché. Alors, on va tout prendre. Voilà. À poil. Ce qui est bien, c'est que ça me permet de débloquer cette zone-là. Alors, Une autre preuve qu'Azur a un cerveau lent. Je suis un petit dragonneux. J'ai dû analyser beaucoup de choses en même temps, maman. Et puis au jeu de baston, je suis très bon aussi, quand même. Voilà. J'aimerais faire de super combos aussi. Donc, je suis pas si long que ça.
Ça dépend des choses. Et puis quelquefois, c'est bien d'être lent aussi. Ma maman. On va déjà aller au bain public déjà. Je peux pas me présenter devant Dame Tiffen, crotter et puis après avoir pris un bain dans la rivière. Ma maman, c'est pas possible. Messire Dragonnet doit être parfait. Ah super, il fait beau. Voilà, t'as dit, on va déjà remballer la torche qui sert à rien. Non, allez le cheval à gauche. Vous avez encore quelques minutes pour participer au giveaway, maman, pour gagner une carte Steam de 10€ en tapant la commande point d'exclamation MAW MAW. Alors, ils sont où déjà les bains publics? Les bains publics, ils sont ici. Ah, c'est un peu plus loin en fait. C'est un peu plus loin sur la route. Putain, mais c'est pas vrai, je suis complètement au sud. Ah, j'ai vraiment pas un bon sens de l'orientation. Ah voilà, je vois les tentes du bain public. Non. Alors, ben... Je souhaiterais profiter des prestations du bain public. Et qu'est-ce qu'il vous faut ? La totale, maman. Un peu de tout. J'aimerais panser mes plaies et prendre un bon bain. Et mes affaires ont besoin d'être lavées. Je pense que vous allez être comblé. Que Dieu vous bénisse. Je fatigue, Dragonnet. Bon, allez. Voilà, partie sauvegardée. En plus, ça permet de sauvegarder, c'est pratique. Du coup, vous voyez, ça m'aurait permis, si j'avais fait ça, de directement revenir au château et immédiatement faire l'autre choix. Alors, le château, c'est par là. On passe devant le sanctuaire, ici. Et puis pour toi, Bleu-Fenrir, c'est Messire Dragonnet. Pas Dragonnet, tout court. Alors, voyons voir ce qui se passe quand on enlève sa chemise. On va d'abord fermer la porte. Déjà. Pour un peu d'intimité. Alors, on lui donne je la couronne. Henri, vous êtes un amour. Ah, maman. Quel splendide Molde. Bien, passons. Ok, encore, je peux en vous quoi aider. Vous en avez assez fini, genre de... Allons, Henri. Voilà, elle nous remet la chemise qui appartenait à son père. Je ne vais plus est, si jamais vous... Jamais je ne pourrai vous oublier, genre de... Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Vous voulez pas au moins l'essayer ? Quoi ? Tout de suite ? Bien sûr. Je me tourne, ne soyez donc pas pudique. Et si votre mari venait à entrer ? Impossible. Personne ça fait très vaudeville, je trouve. Je vous remercie, mais je ne peux pas... Non, mais non pareil cadeau. Mais qu'est-ce qui... Il serait déplacé de me déshabiller... Mais non. Quel dommage. Mais pourquoi...
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, alors attendez. On va reprendre la sauvegarde il y a 2 minutes. On parlera de respect quand tu auras ciré tous les parquets de Hyrule. Eh, hey, oh, je joue pas Zelda, moi. Maman. Bon, bah, vous avez encore quelques minutes, hein, le chat, si vous voulez participer et gagner une carte de Steam d'une valeur de 10 euros. Maman. Ah, c'est génial. Le pire, c'est quand Dracon, tu tapes ça, je l'entends dans ma tête, quoi. C'est affreux, quoi. C'est génial! Je le fais très mal. Il a une voix absolument impossible à imiter, lui. C'est génial! Un truc de ce style-là, mais en plus jeune, mais c'est plus difficile. Hein. C'est insupportable, cette voix. Il a pris de la drogue, je sais pas. Bienvenue, Henri. Je suis ravie de vous voir. Bon, cette fois-ci, je vais prendre mon temps. On lui donne la couronne, voilà, blablabla. Allons, Henri. Mais... Justement, qui plus est... Jamais je ne... Alors, vous ne voulez pas... Quoi? Bien sûr. Ah. Si votre mari... Impossible. D'accord, voilà. Bon, d'accord. Quelle bénédiction de vous avoir à mes côtés. Je rêvais d'une compagnie plus jeune depuis toujours. À croire que Dieu vous envoie en réponse à mes prières. Ça va bien, Mère Michette. Eh bien, vous pourriez en démontrer à n'importe quel gentilhomme. Quand j'étais petite, j'étais toujours entourée d'autres enfants, ainsi que des jeunes gens de la cour. Que de vie. J'ai toujours espéré que l'âge n'y changerait rien. Mais... Oh. Ce n'était pas la volonté du tout. Votre mari un vous petit bisou. Non. Non, hélas. Relink, ma maman. Deux fois, j'ai espéré, mais... Ils n'ont pas survécu. Ah. À présent, il n'y a plus d'espoir. Mais il y a toujours moyen de faire des choses un peu bizarres. Si tu vois ce que je veux dire, ma maman. Gente dame. Oh mon dieu. Si quelqu'un rentre à ce moment-là. Un bisou. Gente dame, excusez-moi, je ne voulais pas. Ne vous en faites pas. Non mais arrête. Oui, vas-y, fais des choses. Wow, une belle tête de cerf, maman. Eh ben, c'est chaud. Alors, mettre ta chemise, blablabla, crochetage très difficile. Comment je suis habillé, moi, déjà? Parce que... C'est bon, je suis habillé normalement. J'ai remis mes vêtements. Bon, bah, elle s'est taillée, quoi. C'est généralement la technique avec les filles, c'est... En fait, tu fais un tour de magie. Bonjour, je vais te faire un tour de magie, maman. Je te saute et après, tu disparais. Je suis désolé, je suis désolé. Bon, on va faire le tirage au sort, justement. Tiens, voilà. Donc, vous reste 10 secondes pour vous inscrire en tapant la commande point d'exclamation M-A-W, MOW, pour pouvoir participer et gagner une carte, team card de 10 euros. Allez, on va dire 10, 9, 8, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alors, je minimise. 0, maman. Et voilà, les inscriptions pour le giveaway sont closes. Maintenant, on va pouvoir choisir un gagnant. Alors, est-ce que Crazy Bob, Dracon et Bleu Fait Rire sont là? Visiblement, oui. On va tirer tout de suite. 3, 2... Et pourquoi tu fais cette tête-là, Bleu Fait Rire? J'ai même pas encore tiré,
Allez, c'est parti. Alors, eh ben c'est Crazy Bob qui a gagné. Voilà, très bien. Impeccable. Eh ben, je te passerai en Whisper la clé pour la carte Steam d'une valeur de 10 euros. Voilà, et alors je vous rappelle qu'il y aura un autre tirage la semaine prochaine. Alors je verrai si j'offre Volant 2 ou si j'offre une carte Steam, on verra. De toute façon, on a encore 3 semaines jusqu'à la fin du mois pour faire des petits tirages. Donc voilà. Et il y aura même un tirage qui sera réservé aux réguliers de la chaîne, aux habitués de la chaîne. Donc voilà. Puis on se retrouvera la semaine prochaine pour la suite de notre aventure dans Kingdom Come Deliverance. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que ça vous a plu ce soir. Moi, ça m'a beaucoup plu ce soir. Je vais pas dire le contraire. Ça s'est bien terminé. Demain soir, on se retrouve pour la dernière fois à 21h30, puisque à partir de la semaine prochaine, on se retrouvera tous les soirs à 21h, y compris le samedi. Donc demain soir, 21h30, c'est l'épisode final de la saison 1 de Minecraft Story Mode. Ne le manquez pas. On verra bien s'il y a un cliffhanger ou pas. Et sinon, à partir de la semaine prochaine, demain, vous découvrirez le jeu qui va remplacer Minecraft Story Mode. La semaine prochaine, puisqu'on n'aura pas tout de suite la saison 2 de Minecraft Story Mode. J'ai envie de faire un jeu un peu plus costaud, on va dire, les samedis. Donc on va démarrer dès 21h tous les soirs de la semaine, sauf le dimanche. Allez, bonsoir à tous. Ne bougez pas, au fait, il y a un code Whisper. Je te le passe en privé, Crazy Bob. Je vais taper la clé en privé. Donc voilà. Je te le chuchote en fait. Donc voilà. Bonne soirée à tous. Ne bougez pas, il y a un petit host juste après. Allez, bye bye. Rien.